Bonsoir les bouts, c'est Noctis et joyeux anniversaire à toi Madoka, 18 mois, merci, merci à toi pour cet abonnement, ça me va droit au cœur, bienvenue à toutes et à tous, et coucou le chat, salut Alan, salut mon Dio, merci beaucoup pour ce petit coucou rapide du Pipi Room, on adore, hein. Ce qui est génial avec Twitch, c'est qu'on peut regarder des streamers où on veut, quand on veut, comme on veut. Comment vas-tu mon Dio? Comment allez-vous le chat? Merci en tout cas d'être là ce soir. Vous n'avez pas idée à quel point ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Vous m'avez terriblement manqué. Et oui, c'est vrai que ces derniers temps, je ne stream plus qu'une fois par semaine. Malheureusement, j'ai dû rediminuer un petit peu ma consommation de Twitch due à ce nouveau CDD que j'ai signé depuis le 31 août. En tout cas, vous m'avez terriblement manqué. J'avais qu'une hâte d'être là ce soir. Vous avez des gros bisous de ma maman que je viens d'avoir au téléphone, qui embrasse toute la communauté des petits hiboux. Et moi, je vous embrasse encore plus fort. Je vais bien, Alan. Merci, merci de demander. C'est adorable. Ben, écoute, aujourd'hui, c'était mes 2 jours de repos. Donc, super content. Hier, j'ai pu me balader toute la journée sur Paris. Je suis parti, tu sais, du côté eh bien, de Saint-Michel, d'Oberkampf. On a fait pas mal de boutiques de jeux vidéo. Donc ça a fait du bien, tu sais, même pendant les jours de repos, de toujours baigner dans cet univers geek. Et eh bien, écoute, lundi, aujourd'hui, ça a été le jour où j'avais qu'une hâte, c'était d'être avec vous ce soir, quoi. Vraiment, c'était qu'une hâte, hein. Eh bien écoute, en tout cas, je suis ravi pour vous. Merci à vous tous d'être là. Et je suis mais tellement heureux, heureux que vous soyez présents ce soir. Le défi créatif ne sera jamais mis à mal. Il sera toujours d'actualité sur la chaîne et il sera pour le mois d'octobre. Voilà, le cinquième défi avec déjà la thématique qui est préparée sera là pour nous tous, pour qu'on puisse passer un bon moment ensemble. Ah là là! C'est clair, c'est pas pareil, Alan. On est assez d'accord, hein, au niveau production que consommation. On va dire que je ne réduis pas, je m'ajuste, mais toujours un bonheur d'être là. Et vous savez à quel point vous êtes cher à mon cœur, que ma communauté est chère à mon cœur. Vous avez énormément de valeur à mes yeux, donc je serai toujours là pour streamer et je m'arrangerai toujours pour pouvoir continuer cette passion qui est Twitch pour moi. Donc merci à vous tous d'être là, merci pour votre positive attitude, comme dirait Laurie Pester. On adore Laurie, si tu nous entends, on t'embrasse ce soir. Comment allez-vous en tous les cas, tous les deux? J'espère que vous allez bien, les bouts sur la chaîne. Racontez-moi un petit peu votre week-end, comment il s'est passé. Hein, on est déjà en début de semaine, ça passe super vite, c'est juste un truc de fou. On voit pas le temps passer quand même. Hein. C'est assez abusé, on va pas se mentir. Le temps passe beaucoup trop vite, c'est juste trop flippant. Durant 2 secondes, j'ai cru que tu allais dire que les défis créatifs, c'est fini, mais non! Oh là là, Dieu merci, Bouddha merci, tout ce que vous voulez, ce n'est pas terminé, loin de là. Ces défis créatifs, c'est un pur bonheur. Alors je rappelle pour les petits bouts qui ne savent pas qu'est-ce qu'un défi créatif. Depuis maintenant plusieurs années, bientôt 2 ans, j'ai créé ce qu'on appelle un défi créatif. Je demande aux membres de ma communauté de créer une œuvre en fonction d'une thématique donnée. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de la thématique, il y a aussi ce que j'appelle des contraintes créative. Un exemple, si je vous donne la thématique robot, je vais vous demander comme contrainte créative de créer un personnage qui découvre des émotions humaines malgré son état de robot. Et ça va être des petites constantes comme ça que je vais donner qui vont pousser à la création. Et on a vécu un défi créatif au mois d'avril qui était incroyable. C'était le quatrième sur la thématique Android. Et j'ai eu des œuvres en passant par des courts-métrages, des films, des dessins, des maquillages, bref, c'était une tuerie. On est tout à fait d'accord. C'était juste un pur bonheur. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder dans les temps forts de la chaîne, eh bien, les défis créatifs qui ont été créés depuis maintenant pratiquement 2 ans. On a eu différentes thématiques et c'était mais vraiment trop, trop, trop cool. Hey, salut au Bijouflu! Je suis trop content de te voir ce soir. Merci à toi d'être là, mon ami. Tu embrasses très fort ma Jaja d'amour aussi de ma part. Et je vais super bien. Je suis trop content.
content d'être là. Je suis trop content de vous retrouver ce soir en live. Vous m'avez tellement manqué. La dernière fois qu'on a streamé ensemble, c'était lundi dernier, il y a une semaine, quoi. Franchement, pour moi, c'est le bout du monde, 7 jours. J'ai l'habitude de vous retrouver minimum 2 fois par semaine. Donc c'est vrai que pour moi, ça commence à faire beaucoup là, 7 jours sans vous voir, hein. Comment ça va, mon bijouflu? Et salut, princesse Myrina. Comment vas-tu? Bienvenue à toi ce soir. Merci d'être là également. C'était génial, nous écrit Madoka au sujet des défis créatifs. Je ne te remercierai jamais assez, car grâce à tes défis, j'ai pu relancer ma créativité qui est restée au point mort sans toi. Oh, Mado, bah écoute, je te remercie infiniment pour ton message. Tu sais, de lire des choses comme ça me fait extrêmement plaisir, puisque l'un des objectifs du défi créatif, c'est de vous permettre de pouvoir vous évader à travers votre imaginaire et par la même occasion, eh bien, de nous prendre par la main et de nous emmener avec vous dans ce voyage intérieur. Et c'est vrai que du coup, que ce soit toi ou les autres hibou créateurs qui ont participé à ces différents défis, vous m'avez vraiment offert de magnifiques cadeaux. C'était juste un bonheur pour moi de pouvoir lire vos textes. Je pense notamment à tous tes textes Madoka qui étaient superbes, vraiment. J'ai adoré Neo X 1986, ton dernier est fabuleux. Et franchement, c'est un bonheur aussi d'avoir vu des courts-métrages, par exemple de Nimeline, autre membre de notre communauté. On avait aussi des magnifiques créations florales de notre Physalis. Bref, ces défis créatifs permettent vraiment de pouvoir s'exprimer et c'est juste un cadeau que vous m'offrez à chaque fois. Donc j'ai hâte de pouvoir vivre le prochain avec vous tout bientôt. J'ai déjà la thématique. Je ne vous dirai rien. Comme d'habitude, vous allez découvrir la thématique du prochain défi créatif par le biais d'un trailer que je vous prépare. Donc voilà, je vous mettrai peut-être des indices par-ci par-là. Et on va voir, on va bien s'amuser en tout cas. J'ai vraiment hâte. Eh bien écoute, merci au Bijoufus de transmettre les bisous à Jaja, ça fait trop trop plaisir. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous prenez soin de vous, ça c'est très important. En tout cas, moi je suis mais trop heureux d'être avec vous ce soir. Alors, au programme, on va continuer notre aventure sur Monster Hunter Stories 2 que nous avons commencé il y a maintenant 10 streams de ça. Là, ça va être notre 11e stream sur Monster Hunter Stories 2, jeu que j'aime énormément. Alors oui, le jeu est prenant. Le jeu est immersif. Il y a un gameplay qui est vraiment trop cool et une histoire surtout passionnante. Moi, je sais que j'ai qu'une hâte, c'est d'aller de l'avant, quoi, avec vous. En plus, il ne nous reste pas beaucoup à faire. Là, je crois qu'on est à la fin du jeu, hein, pratiquement. Il doit nous rester, allez, à tout casser, 8 chapitres, quelque chose comme ça, à faire. Et on aura terminé ce jeu. Et d'ailleurs, après la fin de Monster Hunter Stories 2, on fera ensemble un jeu que j'ai tellement hâte de découvrir à vos côtés. Il s'agit de Life is Strange True Colors, bitch. J'ai trop trop hâte de le découvrir. Et j'ai mon copain Pipou qui est totalement d'accord avec moi. Voilà, Pipou est totalement d'accord et a envie de découvrir aussi Life is Strange. En fait, il a très envie de tuer des gens. Faut pas se fier à son apparence trop kawaii, hein. C'est un gros psychopathe, Pipou. Genre, je me réveille le matin, il me regarde avec ses yeux et un couteau dans la main, quoi. Donc, il me fait très très peur. Mais malheureusement, j'arrive pas à me débarrasser de lui parce qu'il est trop craquant malgré tout. Hein, psychopathe, mais craquant. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux pas lutter contre sa beauté. En tout cas, merci à vous d'être là. Je suis très content pour toi, Alan, que ta formation se passe super bien et que tu puisses régler ces pannes d'ascenseur. C'est bien pratique. C'est bien pratique. D'ailleurs, là où je travaille, il y a des ascenseurs, mais sortis du futur. Franchement, quand je monte dedans, j'ai l'impression d'être dans je sais pas, Doctor Who, quoi. C'est impressionnant. Et vive les sirènes! Merci encore à toi, Mérina, de nous partager ces belles images sur notre Discord. Franchement, c'est trop bien parce que notre Discord est vraiment l'espace virtuel où on peut échanger nos coups de cœur, parler des sujets qui nous tiennent à cœur, toujours dans la bienveillance. Donc, merci à toi. Oh, mon Dio! Ça y est, on a un bébé tous les deux, mon Dio! Sur ma vie, ça y est, Zerbouta est née. Notre bébé Zerbouta, elle est là. Je te jure, voilà, elle est née. Tu veux qu'on l'appelle comment, notre enfant, mon Dio? T'as le choix, je te laisse entre... C'est toi qui choisis. Zerbouta, Tarha, Zubi. On peut l'appeler Zubi aussi. J'aimerais beaucoup appeler mon enfant Zubi. Je trouve que c'est un nom délicat quand tu prononces Zubi. Ça sonne bien en bouche. Je sais pas ce que t'en penses, Dio. Il y a une très très belle résonance. Mon Dieu, que de vulgarité. J'en suis navré. Je suis vraiment désolé. Je suis tellement excité
de vous retrouver ce soir, que je dis des conneries, mais en même temps, ça ne change pas d'habitude, hein? Ça devrait être plus, mais malheureusement, j'ai dû m'absenter quelques temps, mon Dio, ne t'en fais pas. Moi, tout ce qui compte, c'est que tu sois là, que vous soyez là, et que ça soit votre présence, les abonnements, les follow, c'est oui, votre présence qui compte pour moi. Vous n'avez pas idée à quel point, bah, ça me fait un bonheur, mais absolu de vous retrouver, surtout en ce moment-là où, eh bien, comme vous le savez, j'ai commencé une nouvelle aventure professionnelle. Je ne peux pas dire pour qui je travaille car j'ai signé une clause de confidentialité. Je suis vraiment désolé. En tout cas, c'est dans le secteur de l'événementiel et du coup, c'est très intensif. Ça me plaît énormément, mais vraiment. Mais c'est intensif. Voilà, on va pas se mentir. Mais dans tous les cas, je suis très heureux de m'être engagé dans cette aventure. Et c'est vrai que pour moi, c'est tout un rééquilibrage, vous savez, de pouvoir agencer à nouveau bah, mon aventure sur Twitch et en parallèle, eh bien, cette nouvelle aventure professionnelle. Mais dans tous les cas, je serai toujours là pour vous. Vous le savez, que ce soit dans le cadre de mes streams sur Twitch, qui sont aussi les vôtres, que ce soit également sur Discord lorsque je ne stream pas, je serai toujours là eh bien pour vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de parler, de vous amuser, de vous confier, c'est le cas depuis 2 ans. Donc ça ne changera pas aujourd'hui et demain. Après, j'ai toujours trouvé ça surprenant quand le logiciel et dont ta connexion s'appelle Discord, ce qui me dit quand même un manque cruel de communication. Mais oui, c'est très drôle, hein. C'est vrai que ce nom Discord n'est pas de bon augure, hein. Mais écoute, hein, on devrait demander aux créateurs pourquoi ils ont appelé Discord. C'est drôle. C'est drôle, c'est antinomique, hein, mot qui vaut 12 points au Scrabble. On adore tout ça. En tout cas, merci à tous d'être là. Installez-vous confortablement. Comme vous savez, à chaque début de live, on fait une petite instant blabla. Voilà, on prend notre temps. Il n'y a pas le feu au lac ou au cucu, comme vous le souhaitez, hein, je vous laisse choisir. Mais en tout cas, ça fait du bien et c'est important pour moi d'échanger avec vous à chaque début de live. Ensuite, je vais passer sur le jeu. Donc là, je vais vraiment me concentrer sur le jeu avec vous pour qu'on puisse eh bien, profiter confortablement de notre aventure, en l'occurrence sur Monster Hunter Stories 2 ce soir. Et je ferai comme toujours des petites pauses toutes les heures environ, hein, pour qu'on puisse à nouveau eh bien, échanger pleinement ensemble et que je puisse répondre à vos messages sur le chat. Hey, mon Blackweed! Coucou! Comment ça va, mon hibou d'amour? Trop content de te voir, mon Blackweed. Merci à toi d'être là ce soir. Alors, comment ça va, toi? J'espère que tout se passe bien au taf et que tu vas bien de ton côté, hein? J'espère que tout se passe au mieux. J'ai toujours tes Léonidas que tu m'as offert dans mes placards. Donc, j'ai hâte de goûter tes petits chocolats, voilà, qui sont toujours encore emballés. Donc, ça fait plaisir en tout cas. Je vais bien, mon Blackweed. Merci. Je suis trop content là ce soir d'être avec vous. C'est un truc de fou. Écoute, aujourd'hui, ça a été une journée assez intense, mon deuxième jour de repos. Et je t'avouerai que le temps passe trop vite. C'est ce que je disais au petit hibou tout à l'heure. J'ai même pas eu le temps de terminer mon manga Sailor Moon. Est-ce que tu te rends compte? Je me suis lancé dans l'aventure Sailor Moon il y a à peu près 3 mois que je lis ce manga. Et je l'ai toujours pas terminé. C'est pour te dire à quel point je suis au ralenti. Mais c'est une horreur. Une horreur. Je sais pas si vous êtes comme moi, les hiboux. J'adore lire. Enfin, j'aime énormément lire. Par contre, je mets 107 ans à lire. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai toujours eu le stimulus d'être en mouvement pour lire. J'ai toujours eu besoin d'être dans un train, dans un métro, bref, peu importe, dans les transports, en voiture. Vous m'avez compris. Et c'est vrai que du coup, chez moi, j'ai vraiment du mal à me concentrer et à lire. Donc j'ai trouvé la petite astuce de lire dans le lit et ça c'est plutôt pas mal. En tout cas, by the way, je vous conseille vivement les mangas Sailor Moon. Hein, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises pour celles et ceux qui sont très souvent sur nos streams. Il s'agit de la Eternal Edition pour fêter l'anniversaire de Sailor Moon. Et en fait, ça regroupe tous les mangas sous forme de magnifique édition pailletée. Je sais pas si vous voyez les paillettes, mais non, on les voit pas trop. Mais c'est pas bien grave. Et avec les dessins qui sont toujours les mêmes et l'histoire bien évidemment, reste toujours la même. Regardez-moi la beauté de ce dessin. Je savais que tu allais adorer Mérina, tu vois. On n'est pas les seuls hein, à aimer Sailor Moon ici. Donc vraiment, c'est un plaisir pour moi de replonger eh bien, dans ces aventures. Alors sachez que ces éditions Eternal sont à 14,90 € chez Pika Édition. Ça sort à peu près tous les 2 mois et il y aura 10 tomes. Là, ce sont les 5 premiers tomes qui sont disponibles. Donc vraiment,
foncez. Si vous voulez redécouvrir ou découvrir l'aventure Sailor Moon, n'hésitez pas, moi je suis en plein kiff. Et je dois terminer ce tome 3 et il me reste les deux autres à lire en attendant le sixième. Je te souhaite une très belle soirée au Bijouflux. Merci à toi de tout mon cœur d'être passé me faire un petit coucou. Et moi aussi, je t'adore, t'es trop mignon. C'est trop chou ce que tu viens d'écrire. Moi aussi, ça me touche beaucoup. Je t'embrasse de tout mon cœur. Prends bien soin de toi. Fais de gros bisous à Jaja Castor de ma part. Et j'espère vous voir tout bientôt, les loulous. Prenez soin de vous surtout. Alan nous écrit sur le chat: moi, quand je me mets dans le lit, j'ai un bon rythme. Quand je lis dans le lit. Mais il faut que j'ai un livre ou comics qui me plaît. Ah bah oui, mais c'est à la base de tout, Alan. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est à la base de tout. Quand t'es plongé dans un livre qui te passionne, mais tu lis d'une traite en fait, tu prends plaisir à lire. Après effectivement, quand on te donne quelque chose à lire, ou je sais pas, pour un examen ou autre, et que t'es pas à fond dans la lecture, mais que tu dois lire quand même, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Parfois faut se faire un peu violence, mais effectivement, hein, pour moi, le moteur de la lecture, ça coule de source, c'est la motivation, hein, très clairement, très clairement. Je me demande ce que va être ta prochaine histoire de conte de fées. Si c'est sur des sirènes, je serai là. Oh, princesse Mérina, si tu savais, j'ai tellement de contes à vous lire. Vous savez, les petits hiboux pour les anciens comme pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne, j'adore lire des contes. D'ailleurs, c'est ce que je fais dans le cadre des défis créatifs où je lis les créations des hiboux, des membres de notre commu. Mais j'adore aussi lire des contes. Je vous ai lu en tout trois contes jusqu'à présent sur la chaîne. La petite sirène d'Anderson. J'ai également lu Aladdin, qui était juste un conte que j'ai appris à redécouvrir, et je lis aussi La Légende d'Arthur. Voilà, c'est les trois contes que j'ai pu lire sur la chaîne, et j'en ai plein d'autres que je vous prépare comme ça, des petites surprises, donc restez connectés, hein. J'ai plein de choses à partager avec vous encore, et j'espère pour longtemps, hein. En tout cas, merci d'ailleurs à tous d'être là encore une fois. Je constate qu'on est plus de 400 hiboux sur la chaîne. Vous imaginez pas à quel point pour moi, mais c'est énorme le fait que vous ayez cliqué sur ce petit bouton follow. Ça représente tellement pour moi. Quand on se lance dans un projet comme Twitch, où on partage notre passion du jeu vidéo et qu'on veut aller à la rencontre des autres, d'avoir des êtres humains derrière leur écran qui t'offrent de leur temps et qui sont super cool, super bienveillants comme vous l'êtes, bah moi franchement ça me bouleverse et je vous remercie infiniment de tout mon cœur pour tout ce que vous faites. Merci à tous les hiboux pour tout, surtout en ce moment où je suis un petit peu partagé sur tous les fronts, hein, avec le travail qui vient de débuter. C'est compliqué de trouver du temps et du coup d'avoir des gens comme vous qui m'offrent de leur temps, je vous remercie du fond du cœur. Madoka, le prochain défi créatif, ce sera sur des sirènes robots de l'espace qui se battront à coups de banane contre des golems de pierre accros aux cacahuètes et aux frappuccinos de chez Starbucks. C'est exactement ça, Madoka. Tu viens de nous révéler la prochaine thématique du défi créatif. Salut, Massamouille! Comment ça va? Mais comment t'oublier, Sam? Comment t'oublier? C'est impossible, copine. Je ne peux pas t'oublier. En tout cas, merci à toi d'être là, ma Sam. Comment vas-tu? J'espère que tout va bien de ton côté. En tout cas, merci les boues. Allez, on va passer tout doucement eh bien, au début de notre live sur Monster Hunter Stories 2. Hein? Ça va être trop cool. On va voir la suite des événements. J'ai trop trop hâte. Alors, je vous fais un bref résumé de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents sur Monster Hunter Stories 2. Alors, on incarne, comme vous le savez, un jeune rider, en l'occurrence une jeune rideuse du nom de Naya, qui est l'héritière d'un héritage assez épique, puisque son grand-père, Red, toi-même tu sais, fan de Pokémon, eh bien, était un légendaire rider. Et 50 ans plus tard, il y a encore cet événement très chelou qui est en train de se produire, puisqu'on a ce qu'on appelle le fléau noir, qui sort de gigantesques trous et qui contamine les créatures. Les monstres deviennent complètement fous. Du coup, Naya, notre rideuse, a pour objectif, eh bien, d'enquêter sur ce fléau noir et surtout y mettre un terme. Mais elle n'est pas seule dans cette aventure, puisqu'elle est accompagnée du Naviru. Naviru, je t'y jure sur ma vie, voilà. Naviru, c'est son compagnon d'infortune qui est un féline très stylé.
On sait peu de choses sur lui, et d'ailleurs, il me semble qu'on va en apprendre davantage là, maintenant, tout de suite. Donc accrochez vos ceintures, mes petits bouts. Merci à toutes et à tous d'être sur Nocting Game. Je suis trop content d'être avec vous ce soir. On va passer un beau moment ensemble, et c'est parti, on y va. Transition de la mort qui tue. Prout-prout. Bienvenue à toutes et à tous sur Nocting Game, merci d'être là, je suis Noctis et ce soir je serai votre hôte. Merci d'être ici, c'est également votre maison. J'ai qu'une envie là, c'est de poursuivre l'aventure à vos côtés. On va eh bien continuer notre aventure sur Monster Hunter Stories 2, bitch. C'est parti. On va retrouver eh bien notre rideuse Naya qui va devoir eh bien enquêter sur le passé de Naviru. Voilà. C'est là où on s'est retrouvé la dernière fois. On a terminé au chapitre Les Légendes qu'on va débuter. Et on doit se diriger bien vers un nouveau village dont j'ai oublié le nom. C'est un nom un peu genre Natate, Natatu, Natanus. Je sais plus du tout comment on appelle ce truc. Mais en tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Surtout qu'on a bien galéré. Écoutez-moi cette magnifique mélodie. Elle est juste trop, trop, trop belle. C'est un truc de fou. Franchement, on a beau dire, mais on a vraiment une musique de toute beauté sur Monster Hunter Stories 2, Rings of Ruin. Très difficile à prononcer. On va charger notre partie. Oh, le gros trou, dis donc. Ça fait quelque chose quand même. Ok, on est niveau 27. C'est un niveau qui n'est pas très 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 élevé. Hein. Même les pompiers allument leur alarme à l'extérieur. Oui, parce que pour celles et ceux qui l'ignorent, j'habite en face d'une caserne de pompiers et je peux vous garantir les bouts que de la lance de pompiers, j'en vois tous les jours, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ma chambre donne sur leur douche. Le Kirin Orishi fait son arrivée. Cette mise à jour marque l'apparition d'un nouveau monstre, le Kirin Orishi. Tentez votre chance contre cette créature légendaire lors d'un nouvel objectif secondaire. Des zones dotées de d'eau et de glace sont aussi incluses. Mais attention, le Minsusone Persam et le Gamoth Givre ancien qui rôde vous donneront du fil à retordre. Donc mes petits bouts, nouvelle mise à jour, hein, la troisième, qui est plutôt pas mal, j'ai l'impression. Je trouve que le Kirin Orochi ressemble à une espèce de licorne sous testostérone. Donc bah, franchement, envie de la découvrir, hein. On verra ça, hein. On verra ça plus tard. Hein. Ok, on se retrouve eh bien, avec Naya, notre rideuse, Ena, et on va devoir aller vers le village de Noaté. Voilà, c'est ça le nom, Noaté. On dirait le nom d'une glace. Ça me donne tellement faim. Si vous saviez comme j'ai faim. Bon, vous savez, hein, j'ai tout le temps la dalle de toute manière. Donc, ok, on découvre une nouvelle zone. Putain, c'est trop beau. Ok, je découvre en même temps que vous, hein, parce que, pour rappel, je n'ai pas fait le jeu. Je le découvre en même temps que vous. Hop. Ok, on va aller par là. Mais ça a l'air d'être trop joli, quoi. Oh, attention. Petite créature. Je vais regarder sur la map parce que je suppose que je dois aller tout au sud, très certainement. Ici, c'est quoi? C'est Lac des Flammes. Non, je pense que le village de Noaté se trouve tout au sud. On y va tout de suite. Ok, du poivre volcanique. Ça doit piquer, ça, du poivre volcanique. Waouh! Waouh! Ok. Attention. Oui, le village Noaté! Je ne vois rien qui ressemble à un village. Peut-être qu'on ne peut pas le voir d'ici. Regardons si on trouve quelque chose dans les environs. Ok. Bien écoutez, on va regarder ça tout de suite. On va aller voir par là s'il y a quelque chose d'intéressant. Vous pensez que ce village de Noaté est invisible? Ou peut-être qu'il est à l'intérieur des montagnes? C'est fort possible aussi. Trop de questions, peu de réponses. From what Sarge said, the village should be in sight any minute now. But, there doesn't seem to be a village here at all. Rata, est-ce que tu sens quelque chose? Oui. Oh? Hey, what's up, Ratha? You saw something? Trop drôle. Oh. Oula, trop bizarre. Let's go.
Comment il s'appelle ce rouquin là? J'ai complètement oublié son nom vu qu'on l'a découvert lors du dernier live il y a 2 semaines. C'est beau, dis donc. Ça donne envie. On adore. Franchement, on adore. On a envie de découvrir un petit peu là tout ce qui s'offre à nous. This is intruders. This is not a place easily stumbled upon by travelers. How did you find your way here? This Rathalos led the way. My friends are riders. We've come seeking knowledge about the Rathalos. Wow, ma chachou d'amour, merci mon cœur. Merci pour ton soutien, ma chachou que j'aime. Ton 15e mois d'abonnement, tu te rends compte? Merci mon petit cœur. Comment vas-tu, ma grande sœur? Oh, elle est trop belle, regarde chachou. Please, leave this to us. We do not yet know if these outsiders mean us harm. Worry not. Doyenne de Noité. Oh, elle va te plaire, ma chachou. Our journey so far has not been an easy one. And yet, the end is not within sight. Now, young riders, you wish to hear of a legend? We heard you have a mural depicting a Rathalos with terrible destructive power. We think it may give us a hint as to what's happening in the world right now. What gives you that idea, child? It's the only clue we have. Please, we need to find the truth before everything is brought to ruin. Ruin, you say? And you? Do you share their goal? Me? I'm looking for a Nergigante that might have been around. Nergigante, c'est mon petit you surnom. You wish to hunt this monster? Not if I can avoid it. I just want to know why it's been acting this way. Monsters don't just attack villages for no reason. But that's exactly what this Nergigante's been doing. But why? Eh oui, pourquoi? C'est la question qu'on se pose, Doyenne. Human you are. Very well, child. You may see the mural and decide for yourselves what the legend holds. Child, elle a quand même 77 ans, hein, Ena. Unfortunately, the way there is open to none. Huh? What? Pourquoi? What gives? Oh, coucou toi. Sorry to interrupt, but the Nergigante was spotted at the volcanic gates not long ago. And there you see is the reason we cannot access the shrine. Our moral code forbids us from fighting monsters. Il y a une vraie histoire, hein, des codes moraux au sein du jeu. You may certainly try. Well, child. Gros bisous, Manat. Qui joue à Just Dance? I'll go too. Are you sure about this, Yumlana? We cannot remain impartial observers forever. Perhaps the time has come for us to embrace new customs. New customs? Rathalos have disappeared from these lands as well. Okay. So, the dead one we saw was... In order to put its soul to rest, it is imperative to find the truth that you seek. Come okay. to the village. I will show you how to reach the volcanic gates from there. Ah oui, s'il te plaît, Yumlana. Yumlana, sur ma vie. Wallah, montre-moi les chemins. Ah, c'est vrai, Myrina, je suis partie avec le rival du héros de Stories 1. Bah écoute, je ne connais pas du tout, puisque je n'ai pas fait Monster Hunter Stories 1. Et sachez que d'ailleurs, vous pouvez jouer aux deux sans avoir fait le précédent. On arrive au cœur du village de Noaté. C'est sublime. C'est sublime. Ah, c'est trop beau. Ce côté oriental. Ça mélange entre le Japon et le Maroc. J'adore. Les couleurs sont super belles. Hein. Hey, salut Molly. Ça me fait trop plaisir de te retrouver, Molly. Comment vas-tu depuis la dernière fois? Merci à toi d'être là. Je vais vous préparer une chambre. Vous pouvez également utiliser nos écuries si vous le souhaitez. Le Nergigante a été aperçu des portes volcaniques, près des portes volcaniques. Vous devriez pouvoir le trouver là-bas. Ok, Reine est là pour assurer nos arrières. Allons tout de suite vers là-bas.
Et nous allons commencer, eh bien, un nouveau chapitre ce soir ensemble, mes petits hiboux, qui s'appelle La mort en maraude. On dirait le nom d'un single de Mylène Farmer, j'adore. Quand vous atteignez Nuaté, un village très secret, la doyenne du village, Yumlana, vous indique l'emplacement du monument. Un Ergigante apparaît comme pour vous empêcher de découvrir la vérité. Revoir ce monstre fait remonter chez Ena le douloureux souvenir de la mort de Red, comme devant un clip d'Afida Turner. Eh bien, écoutez les petits bouts, hein. On va voir ce que va donner cette quête principale, la muerte en la malota. En espagnol, en castellano, la muerte de la marota. La mort en maraude, hein, on adore. Et oui, Mamouli, je vais très bien. Merci à toi de demander. Merci à vous, les petits bouts, d'être là ce soir. Et oui, ça fait 2 semaines que je n'ai pas joué à Monster Hunter Stories 2, puisque le dernier live que j'ai pu faire, c'était sur Pokémon Unite, en compagnie de 2 amis, le grand Natalou et Julius, Juju. Bonjour à vous deux, d'ailleurs, les hiboux. Et on va continuer ce soir, donc, cette aventure que j'ai commencé il y a maintenant plusieurs semaines. Ok, donc vous pouvez désormais utiliser votre maison. Ah ça, c'est cool. Vraiment trop trop cool. On va aller par là. Oui, la fin approche. La fin est bientôt là, Molly. Et j'ai hâte de voir tout ça. Alors non, je n'ai pas pu jouer en off au jeu. Et c'est vrai que généralement, je peux uniquement jouer à Monster Hunter Stories 2 avec vous sur... en live, pardonnez-moi. Tu es sur Switch? Oui, tout à fait, Molly. J'ai Monster Hunter Stories 2 sur Switch. Ok, on avance. On va aller par là. Et on va voir du coup où va nous mener cette quête. Cette grosse quéquette, hein, qui m'intrigue énormément. Hein. Donc, on va essayer d'ouvrir la map et voir où on doit aller. D'accord, donc on doit aller tout au nord vers les sentiers volcans Terga. Eh bien, c'est parti. Hop, on y va tout de suite. Ena est avec nous. Est-ce que je peux sauter? Non, je ne peux pas sauter. Mais je vais peut-être pouvoir passer par là. Je vais même peut-être pouvoir me TP. Alors. Repère nord. Est-ce que je peux me TP là-bas? Je vais t'aider l'expédition en ligne après histoire principale d'avoir les monstres puissants. Merci Molly, t'es adorable. Merci à toi, c'est très gentil. Chachou. Oh, mon petit cœur. Non, je n'ai pas encore regardé mes messages. Navré. Alors, tac, on va aller par là. Alors, ce soir, je ne terminerai pas le jeu, Molly, si telle est ta question. Je suis loin de l'avoir encore terminé, puisqu'il reste à peu près, je crois, 8 chapitres, si je ne dis pas de bêtises. Hein. J'ai regardé sans me spoil, là où j'en étais, bien évidemment. Donc non, faut pas que je passe par là. Par où dois-je passer? Je peux pas passer par là. Bon, si je saute, je meurs. Hein. Même pas. Ok. Oh, au secours. Oh, c'est quoi ce truc? Il est dégueulasse. Vas-y, je vais essayer de l'affronter. Je vais essayer de le prendre par surprise. Hop. Merci, Molly, c'est adorable. Hey, wesh wesh canapèche. Comment ça va, mon kilo? Trop content de te voir ce soir. Comment ça va, mon petit bout d'amour? Est-ce que t'as passé un bon week-end? Toi, à mon avis, t'es plus basé sur la technique, donc je vais utiliser de la force contre ta kikounette. On va tester. On va essayer d'attaquer, eh bien, ton aiguille. Tiens! Et tiens! Oh, merci beaucoup! Ok, je dois lancer une attaque vitesse. Ok, 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 j'en suis une attaque vitesse. Tout va bien. Ok, il est basé technique. Oh, on va le zigouiller. Je vais bien, mon kilo. Merci beaucoup. Ah, mais pourquoi tu m'as dit de lancer l'attaque vitesse? Il est technique, wesh. J'avais raison, c'était force qu'il fallait faire. Faut jamais écouter Ren, hein. Il nous dit vraiment des la merda, Ren. Tiens, flash. On lui a détruit. Et pam, mange-toi ma grosse épée, bien épaisse. Ok, mange-toi ça aussi. Oula, là, la tête qui tourne. Ok. Est-ce que c'est bon signe, ça, qu'il ait la tête qui tourne? Je me le demande. Ok, force. Bah, cette fois-ci, si t'as la tête qui tourne, on va taper dessus, hein. Bam! Allez, tiens, sur ta tête. Duel. Ok, les deux ont fait technique, c'est pas bien grave. Et bam!
trash. Mange-toi ça. Ouh, maintenant il est vraiment énervé. Alors je vous rappelle mes petits bouts sur Monster Hunter Stories 2. Lorsqu'un monstre est énervé, il va changer de mode de combat. Comme vous le savez, il y a 3 items en combat, la force, la technique et la vitesse. Un monstre peut très bien attaquer technique et lorsqu'il s'énerve, passer dans un autre mode. Donc c'est à nous, en tant que joueurs, de pouvoir anticiper et deviner le mode dans lequel il va passer. Donc là, je sais pas pourquoi, j'ai l'intuition qu'il va passer en mode force, donc je vais utiliser de la vitesse sur sa tête. Ah merde, il était toujours en technique, je suis con. Lame aiguisée, tiens, mange-toi mes lames. Eh bien écoute Molly, en ligne avec ton niveau 98, t'aimes aider les gens. Bah Molly, c'est vraiment généreux de ta part. C'est adorable, t'es vraiment un amour. Et je serais ravi d'avoir ton aide. Donc Molly, si j'ai bien compris, on peut jouer ensemble à Monster Hunter Stories 2 alors. C'est trop cool ça. Ok, du coup, qu'est-ce que je fais? Il est toujours technique, donc je vais faire force tout de suite sur lui. Non, je vais même me soigner. Objet, suite de vie, nickel. Allez, je me soigne. Et salut Tao, ça fait super longtemps. Merci de faire un petit coucou en tout cas. Je suis trop content. Je t'embrasse très très fort et je te souhaite bon courage pour tout ce que tu as à faire. Peut-être à tout à l'heure Tao. Je t'embrasse. Wow, regardez-moi cette superbe attaque de Ratti et de son rider Ren. Oh là là, magnifique. Les animations sont vraiment très très belles sur ce jeu. Le pouvoir de l'amitié t'a défoncé. Ok, on attaque toujours la tête. Ah merde, il est en vitesse. Fuck me, j'avais pas vu. Aïe aïe aïe, il a pris le dessus. Ah, et ben il m'a tué. Bon, et ben je vais devoir être bien plus vigilant du coup. Allez, on ne perd pas le nord. On retourne au combat. Donc là, il est en vitesse. Donc s'il est en vitesse, c'est-à-dire que je dois faire une attaque technique. Ok, ok, on y est presque. Duel de force. Allez, massacre-le, s'il te plaît, Nyx. Manixouille. Bien joué. Ok, et on va faire notre attaque, notre talon d'amitié. C'est parti, talon d'amitié. Lorsque la jauge d'amitié est au maximum, vous pouvez actionner ce talon qui va faire beaucoup plus de dégâts qu'une attaque normale. En l'occurrence, Furie Obscure est l'attaque signature de mon Arkaguga, que j'ai renommé Nyx. Et Nyxouille pour les intimes quand on lui fait des chatouillis. Allez, dégomme-le. Dégomme-le. Partie détruite. Yes. On a réussi. On a réussi. Comme on dit au Japon, on a mis Kudasai. Ok, force, on continue. Non, non, attends, il est toujours vitesse là. Donc s'il est toujours vitesse, c'est toujours technique que je dois faire. Allez, sur les pattes cette fois-ci. Ah merde, il est retourné technique. Ah, je suis nul. Il est retourné technique. Non, 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 non. Oh là 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 là. Oh, ça fait mal. Ok, lame 7 dragon, merci beaucoup. Bousille-le. Ouh, joli. Très très beau, vous l'avez dégommé là. Là, il est vraiment énervé. Alors Molly, je stream les lundis et les mercredis à 20h30. Ok, donc du coup, on va essayer de le dégommer. Donc là, il est énervé, il est repassé, c'est-à-dire en... Mais attends, il est toujours en vitesse, donc technique... Mange-toi ça, bam. Et bam, partie détruite. Yes, on commence bien ce live. On est en train de défoncer ce Nertila spectral. Pointe empoisonnée, super. Si on peut lui faire des dégâts en plus sur la durée avec le poison, c'est très bien. Inhibition technique. Oh, deuxième fois qu'il me kill hein. Donc là il me reste plus qu'un cœur. Je vous rappelle que 3 cœurs en moins, je suis KO hein. Donc il faut que je reste très vigilant. Ok, on continue avec une attaque technique sur l'estomac. Tiens. Égalité. Allez, allez, on continue. On ne lâche rien les petits bouts, on va réussir à l'avoir. Faut juste que je sois très vigilant. Ouh, ça fait mal ça. On l'a eu? Non, on l'a pas eu. Oh là là, c'était trop beau. J'ai cru qu'on l'avait eu. Ok, allez, on attaque l'estomac toujours. Oh, partie détruite, ça c'est bien. Ouh là là, attention Ren. Ok Ren, il faut que tu te soignes. Hein. Je vais essayer de soigner Ren. Parce qu'il a pas l'air de le faire lui-même. Explosion de flamme. Génial. Ok. On est bien parti là, on est bien parti. Ren est KO mais c'est pas grave, il lui reste 2 cœurs encore. Donc tout va bien jusqu'à présent.
et je retournerai ensuite au village pour pouvoir restaurer nos trois cœurs libres. Ok, allez, il va faire un talon d'amitié et ça c'est très cool. Moi je continue avec ma technique, sauf que cette fois-ci je vais changer d'arme, je vais faire appel à ma masse Diablos. Je vous rappelle qu'on peut équiper jusqu'à 3 armes sur Monster Hunter Stories. En l'occurrence la masse, elle a pour objectif de détruire des parties plus facilement. Donc du coup, j'attaque le torse, dernière zone à détruire. Tranchage brûlant de la part de notre ami. Donc très très bien pour le talent d'amitié. Je ne lasserai jamais de regarder ce talent là. On l'a eu. Oh putain, on l'a vaincu. On l'a fait mes bouts, on l'a fait. Trop bien. Par contre je pense qu'on va avoir un rang... Ouais B, ça va. Y a pire, mais y a mieux. Ok, on a réussi les bouts. On a vaincu notre premier monstre ce soir. Je suis trop content. On l'a fait. Eh bien écoutez, je vais retourner tout de suite au village parce qu'il nous a quand même bien massacré. On va pas se mentir, hein. Moi il m'a buté 2 cœurs sur 3. Donc du coup je vais repartir au village. C'est parti, on y va tout de suite. Donc du coup le village était juste par là. Donc point charavane. Et c'est le village qui doit être quelque part par ici. De Noité. Let's go, on y va. D'ailleurs, je vais faire des prières pour pouvoir augmenter eh bien, nos compétences. Et normalement, on a récupéré nos cœurs. D'ailleurs, j'ai même pas exploré le village. Regardez-moi comme il est trop beau, celui-ci. Waouh. Oh, salut, petit Féline. Hé hey, impossible de voir quelque chose. Que se passe-t-il? Hé, hey, Lumen, réveille-toi et aide-moi à voir ce qu'il se passe. Oh, c'est un Féline déprimé, pardon, j'ai pas pris la bonne voie. Je recommence. Eh, impossible de voir quelque chose. Que se passe-t-il? Eh, Lumen, réveille-toi et aide-moi à voir ce qui se passe. On s'éclate comme on peut, hein. Alors, je n'ai pas d'heure, Molly. Je n'ai absolument pas d'heure. Je commence à mes lives à 20h30 et ça se termine jamais à la même heure. C'est toujours au feeling sur cette chaîne. Ok, je vais acheter des trucs au marché. Donc je vais prendre de l'herbe. J'en ai combien de l'herbe? J'en ai 23. Donc je vais en acheter 7. Potion, je vais en acheter 2. Oh, méga potion. Ah oui. On veut des méga potions. Je vais en acheter 20. Suie de vie. Oh, poudre de vie. Oh mon dieu, oui, il me faut des poudres de vie. Non, j'ai plus d'argent. Ok, je vais revendre des trucs alors. C'est pas bien grave. Putain, mais il y a trop de trucs ici, c'est trop génial. Ok. Je vais vendre des objets inutiles. Est-ce que j'en ai? Non, aucun, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je peux vendre comme arme que je n'utilise pas? Grâce polaire, elle est magnifique, mais je ne l'utilise pas. Attends, est-ce que... Double diable... Ah si, si, je peux te la garder. Carnibroyeur... Ouais, je vais revendre mon carnibroyeur. Je vais revendre également ceci. Ma surpoupe, on est à 77. Et là, on est à 65. Donc, je vais vendre celle-ci. Ok. En matière d'armure, j'ai la Mitsutsune. C'est celle que je porte actuellement. D'accord. Elle est trop mignonne. Donc, l'armure, celle-ci, j'utilise pas. Donc, je peux la revendre. Armure Legana qui est magnifique. Je vais la revendre aussi. Hé, hey, mais qui voilà? C'est ma Nim-Nim. Coucou ma Nim-Nim d'amour, comment ça va? Je suis trop content de te voir. Comment vas-tu? Est-ce que t'as passé un bon week-end? Merci, hein, merci d'être là, ça fait trop plaisir. Je suis en train de faire de la revente, ma Nim-Nim. J'en ai les tétons qui pointent, comme toujours, dès qu'il s'agit de revendre des armures. Je suis trop content de te voir, ma Nim. Franchement, ça fait trop plaisir. Alors, l'armure Lagombi, est-ce que je peux la revendre? Elle fait 73, celle-ci, elle fait 101. Donc c'est parti, je la vends. Et bah c'est parfait. Vendre talisman. Est-ce que j'ai des talismans à vendre? Ouais, celle-ci je te vends. Excusez-moi, hein, je fais une petite partie revente en mode vintage. Hein. En faible M, ça je vais la garder opportun. Je la vends. Hein. Les titis qui pointent, tu veux voir? Regarde! Non, on les voit pas. On les voit pas. Potentiel, ça je la garde. Amitié. Vie, pareil, je vends.
Ok, là je pense que j'ai assez de thunes. Et maintenant je vais pouvoir donc acheter. Attends, c'est quoi ça? Donne populaire au milieu restant 50 PV. Chou au cœur ne peut être utilisé que dans le menu camp. Ok, je peux pas utiliser. Donne truto, d'accord. Steak de gourmet. Bon, bah je prends des poudres de vie, hein. C'est parti. Donc, choisir quantité. Ok, bah il y en a plus. Ah merde, j'ai vendu, je suis trop débile. Oh non, mais franchement, je suis trop débile. Allez, je vais en prendre 10. Voilà, super, 10 poudres de vie, ça va le faire. Bon flash, j'en ai 0, je vais en acheter 5. Coup de savon, guérinaï de fléau explosion, ça, ça peut servir. Je vais en acheter 8. Faut aller, même 10, j'aime bien les chiffres ronds. Comme ça, ça sera beaucoup mieux. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? Bah écoutez, ça me semble plutôt cool. Je vais racheter ça. Et ben voilà, et ben je suis content. Et ben le Noctis, il est content ce soir. Hein, il a tout ce qu'il lui faut, donc amen. Hein. Comment ça va les bouts sur le chat? Merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Bienvenue sur Noctingame. Trop content de vous accueillir. Vous m'avez terriblement manqué depuis lundi dernier, depuis notre live sur Pokémon Unite. D'ailleurs, jeu que je surkiffe. Si jamais vous souhaitez jouer avec moi à Pokémon Unite, n'hésitez pas une seule seconde sur mon Discord. J'ai mis mon code ami sur Switch, donc n'hésitez pas à me rajouter en m'envoyant bien évidemment un petit MP pour que je puisse bien évidemment savoir qui vous êtes. Hein, par exemple, si je sais pas, j'ai Jackie et Michel qui se rajoutent sur ma Switch, j'aimerais savoir qui sont ces individus, bien évidemment. Donc je compte sur vous pour me dire votre identité, hein, vraiment, hop, et voilà mon Discord si vous êtes intéressé, Discord qui vient d'être posté par mes mains. Chava, on t'admire de derrière notre écran. Ma chachou, tu as vu mes poils où, ma chachou, regarde, ce soir j'ai fait péter le débardeur, exprès pour toi ma chachou, hein, je sais que tu adores les poils, donc c'est pour toi chachou tout ça, ces poils que j'ai collés avec soin, sont faits pour toi, hein. Si c'est grosse bitch chez moi, hein. On adore tout ce qui est gros, on adore les grosses bitch. Vaut mieux avec tes mains qu'avec ton anus poilu. Oh my god. Alors déjà, mon anus n'est pas poilu, je l'ai rasé pas plus tard qu'il y a 2 heures avant le live. Je me suis dit qu'avant de streamer, il fallait absolument que mon anus soit rasé. En fait, ça me permet de me motiver et de me donner beaucoup plus de courage lorsque mon anus est rasé. Je sais pas comment vous expliquer, c'est le cas depuis que j'ai à peu près 3 ans en fait. Hein. Pardon, hein, les hiboux, hein, c'est l'instant délire sur la chaîne. Vous savez qu'ici, on peut parler de tout tant que c'est dans la bienveillance et l'amour. Donc, n'ayez crainte, on part très souvent en délire avec, avec les amis. Donc, voilà, quoi. Hein, c'est comme ça, faut pas avoir peur. Oui, le Marcel, t'as vu, Nim Nim, le Marcel. D'ailleurs, faut que j'apprenne la sémantique de ce mot Marcel. Parce que je sais qu'on appelle ça débardeur, mais moi, j'appelle ça Marcel également. Je pense que ça doit venir du vieux Paris, peut-être. Tu sais, un mec qui s'appelait Marcel et qui portait des Marcel, tout simplement. Qui nettoie devant sa maison à temps visite. Attends, faut que je la note. Blackweed, elle est trop forte. Non mais attends, mais je kiffe ce que tu viens de dire. Attends, je vais noter ça tout de suite. Je prends sur mon cahier note hein, de mon téléphone la phrase de Blackweed parce que franchement, je veux absolument pas la perdre. Je veux briller en société lors des dîners mondains et sortir cette phrase. Qui nettoie devant sa maison à temps visite. Oh, j'adore. Oh putain. Oui, je fais le cochon. Non mais Nottingham, peut-on faire une émission live? Non. Tu veux dire quoi tu veux des cours? Des cours de quoi? D'anus? On parlait de quoi? De rasage? Je me perds là, avec tous nos dialogues, les bouts ce soir. Je ne sais plus où on va, tous ensemble. Non mais à chaque fois vous me tuez quoi, c'est pas possible. À chaque fois vous me tuez, hein, c'est...
Vaut mieux avec tes mains qu'avec ton anus poilu. Non mais chachou quoi. Franchement j'adore. Ah oui, des cours de rasage d'anus. Eh bien écoutez, je vous propose de faire ça sur Twitch, mardi à 20h44 et 30 secondes. Non, je déconne. T'inquiète, je viens d'accepter le terme rasage d'anus. Je pense que mon Twitch va péter un câble. Il doit se dire, ok, ça parle de rasage d'anus sur la chaîne de Noctingame. Ça va beaucoup trop loin. Oh, non mais Blackweed, épiler ton anus avec de la cire. Mais j'ai trop peur que ça se décolle. Enfin, un anus ne peut pas se décoller, mais tu vois ce que je veux dire, on ne sait pas. On ne sait jamais, t'imagines. Enfin, je sais pas, la cire, ça rentre. C'est pas possible, tu vas t'épiler de l'intérieur, c'est... Non. Mais non, Blackweed, hein. On s'épile toujours l'anus à la pince à épiler. C'est une constante universelle. C'est une tradition bretonne, d'ailleurs, que de s'épiler l'anus à la pince à épiler. C'est la base, c'est la base. On souffre, mais les fesses sont toutes lisses après. Tu veux de la cire? On m'a proposé une offre intéressante pour avoir une machine à cire. Mais non, chachou. Sérieux, mais qui t'a proposé ça? Nimni nous écrit sur notre chat. Si la cire sèche trop, tu sais plus faire caca, c'est bouché. Oh mon dieu, mais quelle horreur, imagine. Oh là là, ça doit faire tellement mal. Oh my god. Mais vous savez les bouts, je fais partie de ces gens. Lorsque vous parlez de quelque chose, j'ai des images mentales tout de suite. Genre par exemple, si Nimim, tu me dis je suis en train de faire caca, je t'imagine, toi, Nimim, sur les toilettes en train de faire caca. Et c'est vrai que j'ai toujours eu des images mentales lorsqu'on me parle. Et effectivement, là, je... Blackweed. Je suis désolé, hein, mais... je t'imagine, Blackweed. Et j'en suis toute retournée. Mais vraiment. Et coucou mon Toto, bienvenue à toi. Je savais que l'anus et la cire allaient t'attirer sur ce live ce soir. Alors live qui se barre complètement en cacahuète, hein. On est sur Monster Hunter Stories 2 et là on fait une petite pause blabla où on parle d'épilation d'anus. Toto, est-ce que toi-même tu as déjà expérimenté l'épilation à la cire de ton trou de balle? Voilà, si jamais tu as expérimenté ce genre de choses, n'hésite pas à nous dire ton ressenti, ce que tu as vécu, si tu as trouvé l'expérience qualitative, parce que nous sommes très curieux ici sur Nottingham de savoir si on peut utiliser de la cire dans son cucu. Voilà, hein, n'ayons pas peur des mots ce soir. Toi aussi, Nim, t'as des images mentales. Ah non, mais moi, à chaque fois, hein, dès qu'on me parle d'un truc, mais pour le meilleur et le pire, hein, quand on me raconte un truc horrible, j'imagine les pires scènes. Je suis quelqu'un de très visuel, en fait. Et ça, ça a toujours été depuis toujours. Et oui, mon Toto, je sais que tu n'as pas besoin de cire. Je sais, ma carotte Sanders. Je le sais très bien. Pour le meilleur et pour le rire. Putain, on dirait une phrase dans l'émission là, présentée par le l'imitateur sur France 3, dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi. Tu t'essuies mal et quand c'est bien... Ah non, 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 oh, quelle horreur, Toto. Oh mon Dieu, je ne peux pas lire ça. Je ne peux pas lire ça, j'ai une image mentale, là. Non, c'est pas possible. Ah, attendez, il faut que je boive de l'Evian. 0% avec le code charesse de la mort qui pouette. Non mais dis donc, Toto, ça parle de croûte comme ça dès le soir, là? Mais on est où, là? En tout cas, merci d'être là, mon Toto. Je suis trop content de vous voir ce soir, Libou. Vous m'avez énormément manqué. J'espère que tout va bien, que l'anniversaire de mes petites puces, enfin de ma grande puce, s'est bien passé et que vous avez bien profité. Nim, nim, ça va faire plus d'un mois, si ce n'est plus, que je n'ai pas bu d'Arizona. Est-ce que tu te rends compte? C'est un truc de fou. J'ai même pas eu le temps d'acheter une bouteille d'Arizona. Voilà, je t'y jure. C'est pas possible, hein? Et quand t'as faim, tu casses la croûte? Putain. D'ailleurs, pourquoi on dit un casse-croûte? Très bonne question. Si vous avez la réponse, je suis preneur, les hiboux. Est-ce que vous pouvez regarder sur, je sais pas, Google ou un autre moteur de recherche, pourquoi on dit casser la croûte? Ça m'intéresse, ça. C'est des expressions comme ça qu'on utilise tout le temps, mais on ne sait pas ce que ça signifie, casser la croûte. Je sais qu'il y a certains termes, par exemple, comme caput qui vient de l'Allemagne, kif-kif qui vient de la langue arabe. Donc c'est vrai que la langue française s'enrichit de plein de choses, quoi. Mais oui, ma sponsor Arizona a pris fin. J'ai eu un mail d'Arizona qui m'a dit « Vous parlez trop d'anus sur vos lives et on ne veut pas que notre boisson Arizona soit liée à ce genre de vulgarité. Même si très prochainement, nous allons sortir un Arizona senteur anus. » Voilà. Mais bon, écoutez, ma foi, ce n'est pas grave. Hein, j'en achèterai tout seul. Je précise que je plaisante. Hein, je n'ai aucun sponsor et je n'en aurai pas sur la chaîne. Hein.
casser la croûte. Tu parles de la cire qui bouche la nuit. Non ! Quelle horreur, vous êtes des fous ! Alors, tenez-vous bien, ma chachou de la mort qui pouvait être que j'aime vient de nous mettre à l'origine du terme casser la croûte. À l'origine, le terme casse-croûte est utilisé en France pour désigner un outil à l'usage des vieillards édentés, employé pour broyer les croûtes de pain. What the fuck ? Depuis la fin du 19e siècle, ce terme désigne aussi, en français européen, le repas sommaire que prennent les ouvriers pendant une pause de leur travail. Ok, on est dans une ambiance très prolétaire, en mode Karl Marx, j'adore. Mais what ? Pourquoi les vieillards édentés, en fait ? D'accord, c'était un outil pour désigner l'usage des vieillards édentés, d'accord. Eh bien écoute, merci beaucoup Charès, ce soir, de nous avoir appris eh bien, l'origine de cette expression, casser la croûte. On remercie les petits hiboux Wikicha, Chacha Wiki. Ah, merci à toi, ce soir, ma modératrice d'amour. C'est un prémâcheur, quoi, c'est ça. On adore le prémâchage, c'est essentiel et c'est toujours mieux sans les dents. On est d'accord, hein. En tout cas, on voit bien dans l'usage de cette expression le vieillard édenté qui est notre Nottingham national. Je n'ai plus de dents. C'est terminé, tout ça. En fait, chaque soir, ces dents que vous voyez sont fausses. Je les retire de ma bouche, je les pose sur ma commode et la fête peut commencer. Bon, mes petits bouts, j'arrête de dire des bêtises. Merci pour cette pause blabla. On va retourner sur le jeu. Je vous rappelle que ce soir, nous sommes sur Monster Hunter Stories 2. Je stream sur Nintendo Switch, meilleure console au monde, qui vous permet de jouer de manière hybride, portable sur table et à la télévision. On adore. Mais qui plus est, je ne peux plus jouer sur PC puisque de toute façon mon ordinateur de pro gamer n'a plus que dans le pro gamer le gamer. Puisque je ne peux plus absolument jouer, il plante dès que j'allume un jeu sur PC. Donc je vous avouerai que je devais acheter un PC mais que là, vu que ma vie est un petit peu chamboulée ces derniers temps, je n'ai pas encore vu mon meilleur ami. Donc voilà, j'ai besoin de son aval hein, pour pouvoir acheter en toute confiance un ordinateur. Voilà tout. Bon les petits bouts, c'est parti, on y va, merci à tous. Petite transition, on est de retour sur le jeu. Transition. Je savais que t'allais dire ça, Chachou. Je savais que t'allais dire ça. Dès que j'ai dit son aval, j'ai tout de suite su que t'allais marquer cette immondice sur le chat. La poudre de vie peut t'aider contre les attaques incessantes du Nelgigante. Reviens me voir quand tu n'en auras plus. Allez, c'est parti. Ouais, faut que j'arrête de faire le cochon ce soir, je suis en mode halouf. Hey, ma Lilith d'amour! Merci pour les cheers, ma Lilith, ça fait trop plaisir. Merci pour tout. Tu me manques un truc de fou, ma Lilith. Ça fait super longtemps. J'espère que tout va bien pour toi, ma belle. Comment ça va? On est, ma Lilith, sur Monster Hunter Stories 2 et on est presque à la fin du jeu. Après une pause plutôt en dessous de la ceinture, là, on reprend les choses sérieuses. Allez, maintenant, on a tout ce qu'il faut en matière de stuff. Ah merde, j'ai pas sauvegardé, quel con. Faudrait que je trouve un point de charavane pour sauvegarder, ça pourrait être vraiment trop cool. Alors... Est-ce que je peux sauter? Oui, a priori, je peux sauter. Hey, salut, Narkagouga! Allez, on saute, Tatostio! En mode jackass! Ouh. Ok, même pas mal. Très bien. C'est comme dans Monster Hunter Rise. Hein. On se fait pas bobo. Je vous rappelle que Monster Hunter Stories 2 est un spin-off de la franchise Monster Hunter qui est basé en fait sur une mécanique RPG. Voilà. Alors que les Monster Hunter, généralement, ce sont plus des jeux genre bourrin. Où tu dois tuer des gros monstres pour te faire des jolies armures. Voilà. J'ai résumé très grossièrement. Hein. J'ai résumé très grossièrement en quoi ça consistait. Mais c'est le jeu. Hein. Et on adore. Donc on va aller par là maintenant. Et on va voir ce que nous offre le sentier volcan Terga. Et pas Terma. À ne pas confondre. À ne pas confondre les deux mots. Mais bien sûr que je suis vulgaire, ma chachou, toujours. Ok, si je vais par là... Les portes volcaniques sont juste devant nous. Allons voir là où le Nelkigante a été vu pour la dernière fois. Bah écoute, j'ai un petit peu peur là, hein. On va pas se mentir, mais on va voir ce que ça va donner tout ça, hein. On adore être vulgos.
complètement Malibitz. On adore. Ok. Qu'est-ce qui va se passer ici? Je sens que ça va puer du cucu, les hiboux. Là, j'ai très peur. J'ai très 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 peur, en fait, de ce que ça va donner. On va voir. Déjà, on a une grotte, genre plongée dans une espèce d'atmosphère de poison. C'est quoi ce bruit? Oh, des petits singes! Ils ont trop mimes! Salut les singes! Ah non, c'est pas vraiment des singes. Je sais pas trop ce que c'est, mais... Ok, bah on va essayer de les buter, c'est parti. Si je fais de la force sur eux, ça donne quoi? Ok, ils sont techniques. Mais oui, ils sont trop mini. Charès! Je vous rappelle, mes hiboux, que Charès est ma modératrice. Putain, Charès, j'ai l'impression d'être sur Grindr, là. Avec ce que tu viens d'écrire. Mais la violence! Ils vont te refaire l'anus! Elle est chaude ce soir, Charès! Oh my god! Oh putain, je te jure, ma chachou! Non, mais moi aussi, je vais faire petit culotte, quoi! Mais chachou, des fois, tu nous sors des trucs! Hey, on n'est pas sur Camfort ici, hein! On est sur Twitch, hein! Oh merde, ils m'ont kill! Ah bah voilà, putain, ouais, les concentrations d'Octis. Putain, elle m'a donné chaud. Alors du coup, pourquoi je peux plus faire d'attaque force en fait? Bazooka, mais grave, toujours, on est en mode chat roulette là, ce soir. T'as des teintes sur moi. Oh my god, attaque vitesse! Non mais Chachou, voilà, faut savoir que Chachou c'est ma grande sœur, et qu'avec elle c'est toujours comme ça. C'est toujours en mode inattendu. Tu vois, et on adore quand dès que ça parle comme ça, vraiment. Par contre, je vais me faire kill encore, ok. C'est maintenant ou jamais, très bon conseil. Mais en fait, ces petits singes sont très forts en fait. Pourquoi vous me faites mal comme ça? C'est quoi votre délire? Mas Diablos, Noctis, il te contamine pire que le Covid. Eh oui, c'est moi. Hein? Je vous contamine! Hein? Mais arrête de dire oh my god, parce qu'avec toi, je ne peux plus comprendre oh my god! Non, attendez. Par contre, là, je vais me faire kill. Oh, inhibition de force. Ok, il empêche d'utiliser force. Ok. Allez, Ancel, tout de suite. Je t'en supplie, Nyx, j'ai besoin de toi. Talent d'amitié sur ce chakalaka. On dirait une chanson de Shakira. Chakalaka, eh eh. Chakalaka. Allez, bousy ça. Oui, vous pouvez noter que ma imitation de Shakira est formidable. Hein? Cool, on a tué les chakalaka. Boum, chakalaka. Où ça? Ok, on les a butés. Rang A. Ah, d'accord. Bon, bah écoutez, hein, on a eu des trésors de chakalaka. Et ça, c'est cool. Chakalaka. On est content. Fantastic, baby, bitch. Ok, on a eu tout ce qu'on voulait des chakalaka. Mais par contre, il faut que je me soigne parce qu'il ne reste plus qu'un cœur. Et ça, ce n'est vraiment pas cool. Donc, normalement, j'ai des petits objets avec moi qui me permettent de restaurer mes cœurs. Hop, je vais donner ça tout de suite sur Naya. Voilà, j'ai à nouveau mes trois cœurs. Super. Allez, on avance et cette fois-ci, je fais plus de bêtises. C'est quoi ta question de Shakira? C'est Waka Waka, je crois. Tu sais, celle qu'elle avait chantée pour la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises. Waka Waka, eh eh. Waka Waka, oh oh. C'est un délire du genre. J'adore Shakira, mais c'est vrai que je suis plus... J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Shakira. Mais c'est vrai que j'écoute plus du Lady Gaga, par exemple, ou du Massive Attack, tu vois. J'écoute pas Shakira tous les jours. Mais je reconnais que ce qu'elle fait, c'est vachement bien. Heureux, Alan! Comment vas-tu depuis tout à l'heure? On va aller par là.
Ok, je connaissais pas cette chanson, ma chachou. Tu pourras la mettre sur le Discord aussi. Comme ça, je pourrais l'écouter avant de faire dodo. Eh bien, écoute, Alan, comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Oh mon dieu, je suis désolé, Libou. Je dis que de la merda ce soir. Alors, je dois aller par là. Ça fait genre 107 ans que je tourne en rond. Tout va bien. Je vais le finir un jour, hein, Monster Hunter Stories 2. Sur ma vie, je vous jure. Même si je ne stream qu'une fois par semaine depuis que j'ai commencé mon CDD, je vous promets que je terminerai Monster Hunter Stories 2. Merci, ma chachou d'amour, d'avoir partagé Waka Waka de Shakira. Waouh, il fait chaud ici. Ah bah, il fait tellement chaud que mon écran a ramé avec mon magnifique visage super moche en frise. J'ai même pas pu lire ce que Naviro a dit. Chipopolata, tu aimes la chipolata, hein, mon Blackweed. On sait que t'adores la chipo. Et Nimeline, chipopolateo. Oh, j'adore chipopolateo. C'est... Me gusta la chipolata de Théo. Oh putain. Faut vraiment que je me concentre. Pardonnez-moi les hiboux. Vous me faites mais complètement délirer. On va aller par là. Ok, je vais suivre ce chemin qui est juste ici. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Et hop. Mais j'y suis toujours en forme, Nimeline. Toujours. Je t'ai juré depuis 10 ans. Depuis 10 ans. 10 ans. J'essaie toujours d'être en forme quand je suis avec vous. Parce que c'est vous qui me donnez toute l'énergie du soleil. Et c'est pour ça que j'y suis content. Par contre, je brûle dans le feu. Parce que le feu, ça brûle. Est-ce que je peux passer sur les flammes? Non, je ne pense pas. Ok. Réfléchis à une autre alternative. Noctis. Si tu ne peux pas passer sur le feu, tu peux peut-être passer par le nord. J'ai mangé du couscous et du couscous garbit. En plus, sans déconner, j'ai mangé du couscous il y a une semaine. Pour vous raconter ma life, ma mère fait le meilleur couscous au monde. Et je pense que tous les enfants vous diront que leur maman fait le meilleur couscous. Ok, je deviens invisible. J'y tagine, tu tagines et tu tagines. C'est par là, je suis sur le bon chemin et je pense qu'on approche du Nergigante. Je ne sais absolument pas comment buter ce Nergigante par exemple. Hein. Donc ça va être du sport là, je pense. Si je passe par là, qu'est-ce que ça donne? Nous taginons, bravo, du verbe taginer à la première personne. Le couscous dit ma mère, je t'y jure, il est éclaté au sol. Mais non! Mon Toto, justement, quand tu dis que quelque chose est éclaté au sol, ça veut dire que c'est pas bon. Hey, Jean, ça fait super longtemps que je ne t'ai pas vu sur la chaîne. Je suis trop content de te revoir ce soir. Comment vas-tu, Jean? Mais tu, Nim, quand t'es de passage sur Paris, les couscous, meilleur que les couscous garbite. Tu viens et ma mère, elle te fait un couscous des familles. Salut, Alan, bonne soirée à toi. Et tu vas adorer, Nim. Ah, Noctic Game, les couscous de ta mère, il est éclaté au sol. Eh ben alors, je vais quand même aller chez ta mère manger des couscous. Parce que j'y suis sûr qu'il est bon sur ma vie. Je vois que le game aura des idées de lui-même. Ouh. Ah oui, les couscous garbit. Oh my god. Ça me donne envie de faire une fausse pub. Oh, je brûle. Mais non, j'ai pas le choix, je dois passer par là. Je brûle, au secours, ça brûle. Oh là, j'ai chaud au pied. Ok. Dis à maman, à ta belle maman, je te rappelle que c'est ta belle maman, de préparer 15 kilos, on arrive tous. Mais oui, les bouts, venez, on va se faire une couscous party. Alors ma mère adore cuisiner le couscous aux légumes. Donc elle fait revenir de la semoule pendant des heures et des heures afin que le grain puisse bien s'imprégner. Ensuite, elle l'aère pour que ça ne fasse pas des boules très désagréables en bouche. On sait que les boules en bouche, c'est toujours très spécial. Et elle rajoute les légumes, carottes, navet avec de la makbouba. Makbouba, c'est une salade de tomates chaudes chez les Méditerranéens qui est délicieuse, légèrement piquante. Et vous allez peut-être adorer. Hein.
Exactement, Blackweed. Tu m'as volé les boules... Les mots de la bouche. Tu m'as volé les boules de la bouche. Oh, et comment ça se passe, Majin? Raconte. J'espère que ton travail se passe bien. Et tu sais, je compatis totalement parce que depuis le 31 là, août, j'ai signé un contrat, un CDD dans l'événementiel. Et pareil, j'ai des horaires un peu de ouf. Donc je compatis totalement. Au secours! Je me fais poursuivre par un gougouri. Bon, par contre, c'est quand tu veux, Nalgigante, là. En plus, j'ai bien envie de voir ce qui est géant chez toi, Nalgigante. J'aime beaucoup ce nom. Merci, Majin, t'es adorable. Ça fait trop plaisir. Et j'espère que toi, tout se passe bien au travail. Que c'est pas trop fatigant, parce que c'est vrai que travailler la nuit, c'est un trop rythme. Moi, je sais que j'ai mon meilleur ami qui travaille de nuit. Alors, il adore, hein, travailler de nuit. Mais c'est vrai que ça te décale sur pas mal de choses, quoi. Mais j'y suis où, ici? Tréfonds des portes volcaniques? Oh my god! Ok, Libou, allons dans les tréfonds. C'est parti. Je vois de la lumière, là-bas. J'y vais tout de suite. Vers la lumière. Faut que j'appuie sur A, par contre. Qu'est-ce qui va se passer? Cinématique, j'arrête de parler. No getting to the shrine unless we can make it past the Nergigante. I sure hope we can defeat it. It's not like you to be so pessimistic, Navier. Majaja d'amour. Can you blame me? J't'aime fort. That's the monster that took down Red. Red? Merci d'être là, Jaja. My partner's grandpa. He was my friend and the Nergigante attacked him while he was investigating the pits. And unfortunately, he didn't make it. La qualité d'enquêter sur des trous aussi. Pardon. I see. That day is burned into my memory. If I'd been stronger, I know Red would still be here today. Today. Pardon. Yeah. Je sais pas ce que j'ai ce soir. Je suis insupportable. Je suis insupportable ce soir. Je suis vraiment désolé. Experience the same suffering we did when we lost Red. Especially not at the hands of this monster. I won't let it happen again. Oh, merci, Majaja d'amour. We can't turn tail now. We just gotta prove that we're stronger than the Nergigante. Merci pour tout. Tu feras de gros bisous à Obit encore une fois de ma part. Let's say you are strong enough to take it down. What's that going to accomplish? We'll open up the road to the shrine for one thing, and we'll avenge Red while we're at it. Do you think that's what he would have wanted? Well, I'm not Red, so how am I supposed to know? Well, what about you? Merci, Majaja. Merci pour cette chienne, ça me touche énormément. Something tells me that Red would have wanted to find out the reason for the Nergigante's behavior. Perhaps, but... Yikes! Is that the Nergigante? Oh my god. Hi, partner! Le Nergigante arrive. Et... Il est pas content. It's an Astalos. And it's Rage Raid. We better stay out of sight. It's too dangerous. Maybe we should head back to the village and... Hey, c'est moi qui ai fait ça? Mais non, j'ai pas décidé d'aller en avant en fait. J'ai pas appuyé sur le joystick. Pourquoi tu fais ça? Mais je suis d'accord avec toi en fait, hein. Je sais pas pourquoi le perso principal a fait ça en fait. C'est quand même moi le jeu, j'ai payé 45 balles quand même, c'est moi qui décide d'aller en avant. Ok, c'est pas grave, prenons notre courage à deux mains. Souviens-toi de ce que Ray a dit, nous devons rester sur nos gardes. Je trouve que Edna, hein, il voit un peu comme ça de pouf. Dans tous les cas, on va devoir se battre, non? Et on ne peut pas juste ignorer les rayons d'orage. Ok. Donc là il est en colère, il s'appelle Nergigante, Astalos, et il est pas content. D'accord, donc tout va bien, je vais tâcher de respirer très très fort, et de me dire que tout va bien se passer, en fait, hein. Ok,
Déjà, je vais changer d'arme dans un premier temps. Je vais prendre la masse Diablos, qui va faire plus de dégâts. Du moins, ça va détruire les parties de cet Astalos plus facilement. Et je vais faire force sur sa gueule. J'ai trop peur. Allez, c'est parti. Force sur sa queue, tiens. Ça lui a rien fait. Garde ton sang-froid, Nyx, il fait trop chaud. Ok. Nyx, je suis désolé, mais tu vas partir. Je vais faire appel à Rata tout de suite. Et je vais utiliser une boisson fraîche. Dites-moi que j'ai des boissons fraîches, s'il vous plaît, dans mon inventaire. Parce que je vais être le seul couillon à être parti dans un truc volcanique sans brume fraîche. Oui, c'est bon, j'en ai. Ok. Et pourquoi je suis que deux? Et pourquoi il vient pas m'aider, mon pote? What? Allez, on l'attaque. Oh, reviens, tu es vraiment un cas désespéré. Ok, merci, j'ai besoin de toi, mon ami. Content de te voir, reine. Avec toi à nos côtés, on sera imbattable. Parle pas trop vite, Naviru, s'il te plaît. Oh my god, Miché. Ok. Donc là, faut que je soigne Naya. Je vais prendre une potion que je vais donner tout de suite à Naya. Oh, je sens qu'il va me faire mal au cucu. Merci, reine. Dégomme-le. D'accord. Boule de fer ardente. Merci, Rata. Mais on lui fait aucun dégât. Ok, tout va bien se passer. Tiens. Oh là 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 là, boule de feu. Mais c'est pas possible. Oh. Ok, là il est en mode éclair. Il est pétrifié, attention à ses prochaines attaques, il va commencer à libérer l'énergie qu'il a amassée. Oh putain. Ok, donc à mon avis, il a dû passer en mode force là, donc je vais faire de la vitesse. Je vais attaquer les ailes. Les extrémités. Allez, aile. Oui, double attaque, ça c'est cool. Tiens. Oh, joli. Joli, ok, on continue comme ça. Allez, attaque les ailes, reine. Les ailes. C'est se prendre des dégâts. Mazette. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me soigne ou est-ce que j'attaque les ailes? J'attaque les ailes, allez. Oh non, j'ai fait le mauvais choix. Non, c'est bon, c'est pas le mauvais choix. Détruis la partie. Oui, partie détruite. Bonne idée. Brise cette partie pour qu'il ne puisse plus charger ses attaques. Ok, il est à terre. Il faut qu'on lui fasse de plus en plus de dégâts, les hiboux. On peut le faire. Prête, super. Fais ton talent d'amitié. On va faire un double talent d'amitié. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, maintenant, double talent d'amitié, Meibou, sous vos yeux. C'est parti. On attaque la queue. Allez. Double talent d'amitié. Oh my god. Oh, c'était beau. Ok, il se relève, il est toujours pas content. Donc attendez, réfléchis Noctis. Là, il est redevenu en mode normal, il est plus électrifié. Et quand il était en mode normal, il était en mode technique. Donc il faut que je refasse de la force contre lui. Ok, Noctis, accroche-toi, attaque sa queue. Bam! Bam! Oh, merde! Ok. Allez, on va voir sa queue. On va lui circoncire la queue, sur ma vie. Queue. Double attaque. Et on peut l'avoir libre. L'âme soleil. C'était Florizard, le mec. Ok, force sur la queue. Ça cause plus, vas-y. Dégomme la queue. Boule de feu, vas-y sur la queue. Oui. Ok. Éclair. Ok, donc là il passe en éclair. C'est-à-dire qu'il faut que je repasse en vitesse. D'accord, donc vitesse. Sur l'aile, encore une fois. Allez, on y va. Double attaque. Ok, allez, on continue. Dégomme l'aile. Boucle de fer à l'ombre sur l'aile. Fuck. Oh. Lutte aérienne. Qu'est-ce que je dois faire? What the fuck? C'est quoi ce truc? C'est trop stylé. Appuie en alternance. Yalla, alternance.
contrat d'alternance mutuelle, j'ai tout fait. Ok, tiens, mange-toi ça. Allez, en selle. Et on va lui dégommer ses ailes. Talon d'amitié sur ses ailes. Et on y va tout de suite. Double talon d'amitié. Putain, ce combat est magnifique, hein. Franchement. Allez, on peut le faire, on peut le faire. Mange-toi ça, mange-toi ça. Allez, allez, allez. Oui! On l'a fait, il a terre. Allez, on l'attaque encore. Putain, mais franchement, je suis cocu. C'est pas possible. Ok. L'estomac. Tiens. Tiens. Allez, allez, allez. Allez. Merde, il se relève. Ok, il est toujours électrifié, donc je dois toujours faire la vitesse, là. Ok, sur son estomac, du coup. Merde, technique, non, c'est pas ça. Ah si, c'est bon. Non, je me suis trompé, c'est pas vitesse, c'est que je fasse. Il a fait technique, donc je dois faire force. Waouh, joli. Pointe empoisonnée, oui, empoisonne-le. Très bien. Tiens, mange-toi ça. Faut pas le laisser respirer. Donc là, je dois faire force, alors, ça veut dire. Ok. Lancet dragon, génial, tu gères reine. Allez, 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 allez. Merde, merde, merde. Oh, Rata! Non! Ne meurs pas, Rata, s'il te plaît. Objet. Potion. Oh, et c'est ça, quel con! J'ai oublié de faire des prières au village de Noaté. Vous savez, les prières, c'est ce qui permet de faire plus de dégâts et d'augmenter le talent d'amitié. Je l'ai pas fait, je suis con. J'ai choisi la difficulté, là, ce soir. Boule de feu, vas-y. Allez, allez, on peut le faire. Plante empoisonnée. Oh, ah, la peach. Ok, tu veux me donner un coup de queue comme ça sans mon consentement. D'accord, il n'y a aucun souci, je vais me soigner tout de suite et je vais te faire très très mal, espèce d'Astalos. En plus, t'es empoisonné. Boule de feu, vas-y, brûle-le. Oh, ça lui a rien fait, n'est-ce pas? Souffle ardent, vas-y, brûle-le toi aussi. Ok, 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 c'est bien les gars. Éclair, non? Calme. Donc là, il faut que je fasse de la vitesse sur ses ailes. Ok. C'est parti. Vitesse sur les ailes. Oh. Merde. Oh. Ok. Objet. Il me faut tout de suite une poudre de vie. Allez. Vas-y, tranchage brûlant, explose-lui les ailes, s'il te plaît. J'ai besoin de toi, reine. Allez, allez, take that. Boule de feu. Oh, sur les ailes, n'oubliez pas les ailes. Ok, en selle. Et on va attaquer ses ailes tout de suite. Talon d'amitié. Sur les ailes, allez. Feu céleste. Par le pouvoir du feu céleste. Allez, explose-le. Il faut vraiment que je dégomme ses ailes parce que si je les dégomme pas là, il va m'exploser au prochain tour. Putain, je les ai pas dégommés. Ah putain, les ailes sont pas dégommées. On l'a eu. Oh mon dieu, on l'a eu. L'hibou, on a réussi à buter la Stalos qui était un big boss. Je n'en reviens pas. On a réussi. Je suis trop content. Trop trop content. Et on est classé S. Trop bien. On l'a fait, l'hibou. Ah, trop content. Oh my god. C'était chaud de ces chauds, hein. Calme-toi, Rata.
Ah non, Rata. Amonsti always stays true to the bond they've formed. But that also means they end up suffering the most when their rider makes poor decisions. Did you really not realize this would happen? Hey, there's no need for that, Cheval! We're just trying to stop a rage raid monster! What's wrong with that? I get it that you want to protect Ratha. But all you're doing is making him suffer. Ren, tu vas te calmer? Merci pour ta charge mentale. Ratha here is the one paying the price for your selfish obsession with the Nergigante. Oh putain, il nous fait culpabiliser de ouf. Do you really believe that? Ratha is pushing himself to his limit, all for you. My buddy and I just want to protect Ratha, but who could have known that it would have ended up hurting him? I'm sorry I was so harsh. It's just that, well, you remind me of how I used to be when I was younger. Après, t'es pas bien plus vieux, Ren, quand même. How you used to be? Genre, t'as 16 ans et 3 mois, quoi. Yeah. Donc, calme-toi, quand même. I'll explain later. We should get Ratha back to the village. Ok, les hiboux, je suis trop content. Bienvenue à toutes et à tous sur Noctingame. Je suis Noctis. Et merci d'être avec moi ce soir. Je suis trop heureux d'être à vos côtés. Merci pour votre soutien. Est-ce que vous vous rendez compte? On est plus de 400 hiboux sur la chaîne. Pour moi, c'est juste énorme. C'est un cadeau. D'ailleurs, on va passer en pause, mes petits hiboux. Je vois qu'il y a des petits messages sur le chat. Je vais les lire. A tout de suite pour notre pause. Bienvenue à tous, merci d'être présents ce soir, je suis mais trop content d'être avec vous, vous m'avez terriblement manqué, c'est vrai que ces derniers temps j'ai signé un CDD qui va durer 5 mois dans l'événementiel, c'est des horaires assez intenses, donc ce qui fait que du coup je stream un petit peu moins qu'avant, mais vous êtes toujours dans mon cœur et quoi qu'il arrive, je streamerai une fois minimum par semaine, c'est peu. Je le sais, mais c'est juste un bonheur pour moi à chaque fois de vous retrouver. Donc, merci à vous d'être présents. Comme je disais précédemment, on est plus de 400 hiboux sur la chaîne. C'est un cadeau énorme que vous êtes en train de m'offrir, que de cliquer sur ce bouton follow. Ça représente énormément à mes yeux et je vous remercie depuis 2 ans de former cette communauté énorme. Depuis que j'ai commencé à streamer il y a maintenant 2 ans, j'ai rencontré des gens mais qui ont des cœurs énormes, des gens... qui ont croisé mon chemin, des gens qui ne viennent plus et qui reviennent, d'autres qui sont là depuis toujours, d'autres qui arrivent tout juste. Peu importe, sachez que vous avez toutes et tous votre place ici. Moi, mon objectif, au-delà de partager ma passion du jeu vidéo sur Twitch, c'est avant tout et bien de rencontrer des gens. Et grâce à Twitch, j'ai aujourd'hui rencontré des amis. Je peux le dire, des gens avec qui j'ai tissé des liens très forts, avec qui je parle pendant... après et avant les lives sur Twitch et franchement c'est une plateforme qui permet d'offrir ce genre de cadeaux et ça fait beaucoup de bien, donc merci à vous d'être là, sachez que chacun d'entre vous qui est passé sur cette chaîne, bah, je me souviens extrêmement bien de vous, vous êtes toujours dans mon cœur et je me souviens toujours des bons moments qu'on a passé ensemble et tous les autres qui sont à venir. Mais focalisons-nous sur le présent avant toute chose. Je vais lire le chat. J'ai vu que ma Jean, coucou ma Jean, a écrit un message. J'ai pris un contrat saisonnier dans une cave coopérative pour la préparation des vendanges et les vendanges elles-mêmes. Je suis de repos aujourd'hui et demain, mais je reprends mercredi soir. Je finis fin septembre et je verrai après si je cherche un autre boulot de suite ou si je me garde du temps pour moi avant de chercher autre chose. Écoute ma Jean, déjà, pour commencer, je suis juste super heureux pour toi que tu aies trouvé un job parce que mine de rien, c'est ce qui permet d'aller de l'avant, de se sentir bien dans ses baskets malgré la fatigue qui peut en découler. Parce que je sais que tu es vu dans ce domaine des vendanges et je sais à quel point c'est un domaine qui demande énormément d'énergie, comme la plupart des autres métiers, mais d'autant plus le métier lié eh bien, à l'agriculture, où vraiment c'est très physique et ça demande un engagement sur tous les points. Donc déjà, tu as toute mon admiration, pardonne-moi.
Et je trouve ça très bien que tu aies cette lucidité, Majin, de te dire que tu vas voir si tu vas chercher un autre boulot ou prendre du temps pour toi. Moi, je sais que c'est très important de prendre du temps pour soi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, et je parle que de mon expérience personnelle, je me martelais en tête qu'il fallait absolument que je travaille, que je travaille, que je travaille, que je travaille. Je faisais que ça. J'ai cumulé jusqu'à 3 jobs en même temps. Et il y en a qui font bien plus d'ailleurs. Et au bout d'un moment, mon corps a lâché. Et s'est dit juste non, tu peux pas faire ça. Sauf que je ne m'en rendais pas compte. Mon esprit ne voulait pas accepter que mon corps était trop fatigué. Je continuais. Et au bout d'un moment, nous sommes des êtres humains. Et oui. Et du coup, notre corps a besoin de repos. Donc c'est très important aussi de se dire qu'il faut s'autoriser du temps pour aller mieux, pour se reposer et apaiser notre corps, mais aussi notre esprit. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à omettre aujourd'hui, parce qu'on est tellement, tu sais, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les bouts, mais dans notre quotidien, on est tellement parasité par plein de choses, la fatigue du travail ou du non-travail aussi, on n'est pas obligé de travailler pour avoir une vie, hein. Nos proches, les contrariétés, cette pression invisible qu'on se met et la pression aussi que les autres te donnent. Et c'est vrai que du coup, je trouve que parfois c'est pénible de pouvoir avancer quand on a toutes ces charges sur nos épaules. Et moi, je sais que je me dis que plus je vieillis, c'est même pas une question d'âge en fait. C'est peu importe que t'aies 12, 16, 28, 45 ou 70. Il faut se dire à un moment donné, bah stop, il y en a marre. Je vais prendre du temps pour me reposer, pour me mettre sur pause. Mais pas une pause, tu sais, qui te stagne, qui te fait stagner. Une pause qui te permet de recharger les batteries. Et ça, c'est très, très important, je pense. Et moi, c'est ce que je m'efforce de faire aujourd'hui. Alors, c'est pas facile tous les jours parce que tu as toujours les démons qui te rattrapent, tu sais. Le petit saboteur qui est en toi, qui te fait dire « tu vas pas réussir, t'es nul », bref, qui te fait perdre confiance en toi. Bah, ce saboteur-là, je le répète quasi à chaque live, il faut lui dire « ferme ta bouche ». Mais carrément, il faut lui dire ça. Et du coup, avancer, en regardant en avant et la tête haute, si possible, histoire de pouvoir s'épanouir. Mais en tout cas, je suis ravi pour toi, Madine, que tu aies trouvé tout ça. J'espère que vous allez bien sur le chat. Merci à vous tous d'être là. On est sur notre petite pause blabla. Je suis trop content de vous accueillir sur la chaîne. Plein de projets à venir, hein. Je tiens à préciser que les projets dont je vous ai parlé, notamment la radio libre, dont je vous parle depuis facile 4-5 mois, elle n'aura pas lieu tout de suite. Contrairement à ce que je l'avais annoncé, parce que ça demande du temps et que là, c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. Mais croyez-moi, elle est toujours dans les placards, elle est là, elle est dans mes tiroirs même et on aura cette radio libre ensemble. Chose qui est sûre, au mois d'octobre, on aura notre 5e défi créatif. Je le répète encore une fois, hein, j'en ai parlé en début de live. Les défis créatifs consistent aux membres de la communauté de créer des œuvres, peu importe leur forme, que ce soit des films, des courts-métrages, des dessins, créer une œuvre en format court en fonction d'une thématique donnée. Et depuis 2 ans, on a eu 4 défis créatifs sur la chaîne et c'est toujours un moment de bonheur, de partage et de franche rigolade et d'émotion aussi qu'on vit ensemble. Donc n'hésitez pas à regarder dans les temps forts de notre chaîne Twitch les différents défis créatifs. On en a eu 4 donc en tout. Le premier était sur les zombies. Donc j'avais demandé aux hiboux, membres de notre communauté, de créer des œuvres, des textes, des courts-métrages en rapport avec la thématique des zombies. Ça a eu lieu lors du premier confinement d'ailleurs. La deuxième, c'était Slasher. La troisième, c'était Halloween. Et la quatrième qu'on a eu au mois d'avril dernier, c'était donc Android. Donc j'avais demandé au hibou de créer une histoire autour d'un Android, ou d'Android au pluriel, qui découvre des émotions humaines. Voilà. Et c'était juste magnifique ce que vous m'avez offert, l'hibou, et je vous en remercierai jamais assez. Majin a écrit sur le live, j'ai fait pareil au début. Après mes études, il fallait absolument que je trouve un boulot pour ne pas décevoir la famille, etc. Je connais ça. Quand j'ai fait une dépression carabinée, j'ai compris que ce n'était pas une bonne idée. Du coup, je préfère prendre mon temps et avancer à mon rythme. Comme je veux reprendre l'exploitation viticole familiale, dans tous les cas, je sais que si je trouve un autre emploi, ça ne sera pas définitif non plus. Eh bien, Jean, c'est très important de savoir où tu te diriges. Parfois, on n'est pas obligé de savoir où on va,
Mais c'est très important de savoir dans quelle direction regarder. Et ça, c'est déjà très bien que tu puisses le savoir. Et tu as dit quelque chose de très pertinent au début de ton message. Tu as dit que tu ne voulais pas décevoir tes parents, ce qui te foutait une pression assez importante. Et c'est vrai que je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, notamment dans le cadre de nos études. On a une espèce de pression, on se dit « je dois faire telle étude pour faire plaisir à mes parents ». Et on oublie que la personne à qui tu dois faire plaisir avant tout, eh bien c'est toi-même. Et ça, c'est très important. Combien de personnes, je n'ai pas les chiffres, hein, mais se retrouvent dans un métier absolument pas épanouissant, tout simplement parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils sont. Et donc, c'est le piège. Et c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à s'écouter, de se dire ce qu'on veut faire. Et si ce n'est de savoir ce qu'on veut faire, savoir ce qu'on ne veut pas faire. Parce que ça aussi, c'est super important. De savoir dire non, je ne veux pas. Bisous, ma jaja d'amour. Je te fais plein de gros bisous, ma jaja. Merci à toi d'être passé. Je te souhaite un bon appétit. Régale-toi bien. Et je te dis peut-être à tout à l'heure, alors. Hein, je pense rester encore connecté une petite heure. Hein, une petite heure et demie jusqu'à 23h30, je dirais. Quelque chose comme ça. Parce que demain, je me lève très tôt pour commencer le travail. Et oui, troisième semaine de travail. Je suis trop content. Franchement, c'est un cadeau tombé du ciel pour moi, ce travail. Vous imaginez même pas les hiboux. C'est dans le secteur du jeu vidéo, dans l'événementiel. Je peux pas en dire plus parce que j'ai signé une clause de confidentialité. Et je suis juste trop heureux de pouvoir travailler dans ce domaine. C'est un cadeau pour moi. Et surtout, j'ai des collègues au top. Donc ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc même si c'est fatigant, je ne vais pas vous mentir, hein, en ce moment, c'est un rythme que je n'avais pas connu depuis très longtemps. C'est métro, boulot et dodo. Mais vraiment, mes journées ressemblent à ça en ce moment. Donc c'est assez particulier. Et j'espère que dans les prochaines semaines, je vais arriver à rééquilibrer, vous savez, mon quotidien et à pouvoir réinstaurer les lives deux fois par semaine, comme ce fut toujours le cas depuis 2 ans. Donc, parce que vous me manquez grave en fait. Hein. Là, je ne vous ai pas vu depuis lundi dernier, donc ça fait 1 semaine. Et ça me manque, parce que ma chaîne Twitch, pour moi, c'est tellement important de streamer. C'est une vocation. Et d'être avec vous, ça l'est d'autant plus. Donc, croisez les doigts pour moi que tout se passe bien dans les prochaines semaines. Voilà, tout ça pour dire ça. Bon, mes petits bouts, en tout cas, merci beaucoup pour cette pause blabla. Alors, j'ai fait que de blablater, ne m'en voulez pas. J'espère que tout va bien, en tout cas, de votre côté. Merci à toi, Majin, d'avoir dialogué et échangé avec moi. Ça me fait chaud au cœur quand je peux échanger avec vous. C'est très important. Je vous fais des gros bisous, tout le monde, et on va retourner sur le jeu. Hein, à tout de suite. C'est parti, petite transition. Bienvenue à toutes et à tous sur Noctingame, je suis Noctis et nous sommes sur Monster Hunter Stories 2, presque à la fin du jeu. Nous sommes en train de faire une quête assez périlleuse. On vient de vaincre un monstre qui s'appelle l'Astalos, super balèze. Je sais pas comment on a réussi, mais on a réussi à le vaincre, donc je suis trop content. Et là, notre objectif, eh bien, c'est de retourner au village de Noaté. Donc c'est parti, on y va et on va faire notre rapport à la doyenne de ce village dont j'ai oublié le nom. Youpla Boum. Bloum bloum bloum, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas on doit lui faire le compte-rendu, donc on y va tout de suite. Installez-vous confortablement, c'est parti. Par contre j'aimerais bien trouver ma maison pour pouvoir sauvegarder avant. Je vais ouvrir tout de suite la map, panneau des quêtes, connecti chat, la maison et là-haut, d'accord. C'est parti. Je vous rappelle que dans chaque village, on a une maison. Et ça nous permet notamment de sauvegarder et personnaliser son personnage. Donc je vais sauvegarder tout de suite. Et on est presque au niveau 29. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu me racontes, Nadirou? On doit faire la lumière sur la légende du Ratalos. Rendre visite à ce Nalgigante devrait nous y aider. Mais je lui ai déjà rendu visite. J'ai des nouvelles tenues ou pas pour Naviru? Non. Est-ce qu'on a des nouvelles coiffures? Tiens, je vais voir ça. Maquillage, non. On n'a rien. Et coiffure, on n'a pas grand-chose non plus, hein, j'ai l'impression. Non, pas de nouvelles coiffures. Ok, et bien, de toute façon, on va rester comme ça parce que j'aime beaucoup la coiffure qu'on a actuellement. Par contre, je vais regarder les armures qu'on peut se fabriquer. Hop, je vais aller voir s'il y a un forgeron
au sein de la ville de Noaté. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Mais il me faut que je puisse forger une armure assez balèze. Donc je vais aller par là. Est-ce que je peux trouver la forge ici? Forgeron. Ok, tout au nord. Enfin, au sud, plutôt. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette ville de Noaté! Regardez-moi la beauté! Ce jeu tourne sur Switch, hein. C'est pour vous dire à quel point cette console a un potentiel incroyable. De toute façon, c'est ma console préférée, la Nintendo Switch. On va pas se mentir. Yumlana m'a dit qui tu es. Dites ce dont tu as besoin et je verrai ce que je peux faire pour toi. Regarde bien les pointes du Nergigante. Elles indiquent le nombre d'attaques qu'il lancera. Mais je l'ai buté, Nergigante, les gens. Donc, forger armure. Ok, je cache ma grosse tête. Waouh! Non, mais vous avez vu la beauté de l'armure Astalos? Regardez-moi ça! Vous en pensez quoi, les hiboux? Elle est trop belle! Oh my god! Oh, et putain, la Narcilla, elle est trop belle aussi! Ah, oh, ça, j'aime pas par contre, la Huragan. Ok, donc moi j'ai celle-ci et celle-ci. Oh putain, elle est trop belle! Ok, je vais regarder les armes maintenant avant de forger une armure. Waouh! 93 points de dégâts! Et moi, elle fait 85! Vas-y, je vais me faire ça. Ah ouais, non, mais c'est magnifique, en fait. Ah non, mais elle est trop belle. Ouais, vas-y, je vais me faire ça. Attendez, il faut que je choisisse. Soit c'est arme, soit c'est armure, mais je peux pas faire les deux. Hein. Oh, 102 points de dégâts contre 92. Ah ouais, je vais plutôt me faire ça. Ouais, je vais plutôt me faire cette arme-là. Ah! Ah bah, chais! Je peux pas la fabriquer parce que j'ai pas assez d'argent. Ok. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Ouais. Attends, on va voir. Oh, je sais pas quoi faire, les hiboux. Est-ce que vous me conseillez de faire l'arme liée à la Stalos ou l'armure? Je vous montre. Regardez et dites-moi ce que vous en pensez. J'ai besoin de vos conseils. Donc, j'ai le choix. Soit je fabrique une aile verdoyante à partir des composants de la Stalos que nous venons de vaincre précédemment, ce qui me donne des dégâts de 93 électriques contre 85. Sachant que je peux faire quand même ça. Lame Lagarius. Est-ce que je fais le frappeur d'émeraude qui me donne 102 contre 92, donc on est quand même à 10 points d'écart. Ou alors, est-ce que je fais l'armure Astalos qui me donne 109... Elle est trop belle, putain. 109 points de dégâts au lieu de 101. Ouais, je sais pas trop quoi faire, là. Parce que là, j'ai 101. Ça, ça me fait 107. Au pire, je pourrais faire celle-ci. Ouais, je pense que je vais me faire... Même si je préfère l'armure Astalos, que je trouve mais sublime... Je vais quand même faire l'armure Nercilla, parce qu'il n'y a que 2 points d'écart entre les deux, donc c'est pas énorme. Ok, je vais faire l'armure Nercilla. Super. Ok, j'ai l'armure Nercilla, c'est pas la plus jolie, mais au moins elle est cool. Maintenant, je vais me forger les armes en espérant que j'ai assez d'argent. Et je vais me faire... Non, je peux pas, il me faut 14 100. Donc, je vais vendre... ma précédente armure. Ah là là, et on est connecté, Jean, tous les deux. C'est un truc de fou. J'ai trouvé ça pertinent de faire plutôt l'armure Nercilla. Tu as tout à fait raison, parce qu'il n'y avait que 2 points d'écart entre l'armure Nercilla et l'armure Astalos. Donc, on est connecté, ma Jean. Hein. Donc maintenant, je vais essayer de vendre ma précédente armure. Hop. Et est-ce que je peux vendre des armes que j'utilise pas? Genre celle-ci, je peux la vendre hein, aux F. Et normalement, je vais pouvoir me forger le marteau. Frappeur émeraude, 102 points de dégâts. Ouais, on est plutôt pas mal. Ah putain, j'ai pas assez de thunes. Fuck. Où est-ce qu'elle est ma thune d'ailleurs ici? Je vois pas où est mon argent. C'est au-dessus. J'ai 8970. Ah, fuck. Faut que je trouve d'autres trucs à vendre, alors.
Qu'est-ce que je peux vendre? Pas grand-chose, à vrai dire. Fleur du soir, fleur sensible à la lumière, qui ne pousse que dans la pénombre. Matériaux de combinaison rare. Mandragore, et qui peut créer divers objets. Waouh! Ah ouais! Bon, je vais en vendre 10. Fleur du soir, je vais en vendre 2. Champignon bleu, 65. Oui, ça je peux en vendre. Ok, c'est bon, j'ai assez de thunes pour créer mon arme. Par contre, j'aurai plus de thunes après. Hein. 2 points d'écart entre les armures, mais tu gagnes 10 points avec l'arme, donc je... Ouais, complètement, Jean. Ah bah, je vais suivre tes conseils, c'est exactement ce que je pensais aussi, je trouve ça bien plus pertinent. Tu as tout à fait raison, ma Jean. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais forger mon marteau. Merci en tout cas pour tes conseils, ma Jean. Frappeur émeraude, c'est parti, j'ai assez d'argent pour le créer désormais. Ah! Ah, les boules! J'ai pas assez de matière première. Ah, les boules. Il me manquait une matière première. J'ai trop les boules. Oh my god! Ok, je suis dégoûté. Bon, bah écoutez, hein, je vais faire le marteau vortex. Hein. 102, 97. Ah, fuck! Sinon, je peux faire la lame verdoyante. 5 après. Ah non, mais le plus pertinent c'était pour faire frappeur d'émeraude. Ah, je suis dégoûté. Pourquoi je peux pas faire ça? Mais laisse-moi faire ça. Ok, il me manque un truc. Oh, je t'écoute. Ok, bon. Qu'est-ce que je fais, Noctis? Qu'est-ce que tu fais? Bon, bah j'ai pas de choix, les hiboux. Hein. J'ai plus que me créer une armure, c'est déjà bien. Écoutez, c'est pas grave, on repassera. On passera ici. Est-ce que je peux améliorer mon arme que j'ai actuellement? C'est-à-dire la masse Diablo. Non, je ne peux pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va rester comme ça, c'est déjà très bien. Merci beaucoup, forgeron. Et du coup, on va pouvoir retourner direction la quête principale. Mais avant ça, je vais voir mon tableau des quêtes secondaires pour prendre de l'expérience. Si j'en ai, non, j'en ai même pas. Si, j'en ai. Livré. Ok, ça donne un peu d'expérience. C'est toujours cool. Super. Oh, j'ai fait aucune quête secondaire dans ce jeu, c'est une catastrophe. D'accord. Donc, direction la doyenne du village de Noité. Et on va voir avec elle ce qui nous attend, les deux. Ce serait cool de le savoir, quand même. Hein. Salut, Yumlata. J'adore son nom, on dirait le nom d'un plat tunisien. Je t'ai fait de la Yumlata. Bienvenue. On n'a pas trouvé le Nargiente, mais on est tombé sur un Astalos enragé. Les villageois recherchent le Nargiente en ce moment même. S'ils trouvent quelque chose, je vous le dirai. Merci. Je pense que Rata aimerait bien se reposer. Maintenant, non? Allons-nous poser chez toi, par terre. Ok, donc je dois retourner à ma maison. Et bah c'est parti alors. Retournons à la maison. Bizarre, ça c'est la première fois qu'il me demande de retourner chez nous. Qu'est-ce qui va se passer? Petite cinématique peut-être. Ça serait bien. How is everyone doing? Rath is all rested up and feeling fine. That's not what I meant. Right. My partner's still You said before. We reminded you of yourself in the past.
Did something happen to you too? Bonne question. I prefer not to talk about my past. It's not a particularly uplifting story. Do you really want to know? Oui, we want to know. Yes. We really want to Please know. Tell us. On veut savoir. I lost my mother in a monster attack. Ooh. After that, I wanted nothing more than to wipe out every monster. That's why I became a rider. I didn't care about kinship or monsties. I just wanted more power for revenge. Ah ouais, violent. That's so sad. It took a real rider to show me that kinship is more important than strength. A real rider? My old partner! You know, the legendary rider the chief in Kuan was talking about? Through our battles, I realized that a bond a rider has with their monstie is the true source of power. I chose to let my hatred guide me, and it brought me nothing but misery. During my struggles, I hurt all kinds of people and monsters. I even hurt Rathi. Oh, but your monstie still stood by you through all of that. That's enough about me. Let's just say, beating yourself up about stuff you can't change won't get you anywhere. Take it from me. Je te crois. Ah. I have had reports. Vas-y, rentre sans taper, hein. Near the Lake of Flames. Y a pas de souci, tu peux rentrer à la maison sans taper à la porte. It's only a matter of time before it attacks the village. Let's head out. On y va. C'est parti les petits hiboux. Nous allons commencer cette nouvelle quête principale qui s'appelle Vision Inquietante. Vision inquiétante en espéranto. Detel d'Obsidian libéra un pouvoir terrifiante. Le pouvoir destructeur n'a pu être contrôlé. Le lien dit l'amitié qui était censé vous rendre plus fort n'a créé que 10 problèmes. Les problèmes. Comment protéger Rata? Telle est la question. La réponse est la suivante. Eh bien, nous n'en avons pas de réponse. On va se mettre en quête du Nergigante. Ah, c'était pas le Nergigante qu'on a buté avant, c'était la Stalos. Je me disais bien que c'était pas le même nom. Noctis. Allons-y. Le lac des flammes est situé dans le volcan Terga. Ce ne sera pas facile. J'espère que vous êtes prêts. Oh, petit oiseau. Il est trop mignon. Pardon. Ok, les bouts. On va devoir se diriger eh bien, vers le lac des flammes, qui, comme son nom l'indique, doit regorger d'eau. Donc, allons-y. Je vais tout de même... qu'est-ce que je vais tout de même faire? Prier. Est-ce que je peux prier ici? Ouais, je peux prier là. Boîte à prière. Offrir charme. Charme rider. Charme... Ok, tac. Faire une offrande. Allez, ouvre la bouche. Ça me rappelle ma soirée d'hier. Ok, nickel. Et qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux maintenant prier. Et j'ai prié. Prié. Ah, je prends une prière d'entraînement. Ok, super. Utiliser un alibo, je peux pas parce que je suis en train de streamer, donc ça va pas être possible. Hop, très bien. Allez, on s'en va. C'est quand même chelou que j'ai pas trouvé de plan de charavane ici d'ailleurs. Enfin, on va dire sur la map. J'ai pas de plan de charavane d'ailleurs sur la map. Non. Ok, on y va. Direction Terga. C'est parti, mes petits bouts. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir et de m'accompagner en ce lundi pour la suite de nos aventures sur Monster Hunter Stories 2. Ça faisait à peu près 2 semaines que j'avais pas touché au jeu, donc je suis plutôt content. Alors là, je dois aller par où par contre? Ok, on doit aller par là. Lac des flammes. Lac des flammes. Voilà, c'est le lac des flammes. Ok, chute impressionnante. Oh, fuck. Je suis tombé sur un monstre. Ok. Je suis désolé. Putain, c'est un Astalos. Si je le bute, il pourra peut-être me permettre d'avoir mon truc qui me manque. Non, mais on va pas partir sur un combat contre l'Astalos là. Non, non, je fuis. Fuir. Salut. C'est très lâche. J'adore. Ok, très bien. On va pouvoir eh bien, continuer notre aventure.
C'est parti. Cette fois-ci, on fait attention à ne pas tomber sur un astalo sauvage. Et on va aller par là. On dirait qu'il y a un point de charavane ici. Tu veux t'y arrêter? Bah oui, mais il est où? Il est là. Non, ça c'est du miel. Il est là, super. Ok, je vous rappelle que les plantes de charavane sont des fast travel, les bouts. Casse-toi. C'est sûrement le lac des flammes. Ok, c'est parti les bouts, direction le lac des flammes. J'ai peur. Avoir très peur. On va voir ce que ça va donner, mais... J'y suis pas vraiment rassuré, hein. On va pas se mentir, j'y suis pas très très rassuré. On va aller par là. Ah mais je suis déjà allé au lac des flammes. Ah non, c'est tout nouveau, d'accord. Oups, invisible. Champignons bleus qu'on va ramasser. On va aller par là. Ah, il y a un coffre là-bas. Est-ce que je peux le ramasser, ce coffre? On va aller voir ça tout de suite. Bah si, je crois qu'on a un monstice qui pourra nous aider à changer. Hop, allez. Nickel, et on a un coffre rare, trop bien. Oh, nutriments, vitalité, on adore tout ce qui nourrit et apporte de la vitalité. Monstice meneur, je vais prendre mon monstice préféré, le Narkaguga. Ah, attendez, je vais en profiter pour... Ah bah non, ils sont tous soignés, c'est cool. Et je dois aller par où? Je dois aller par là. Direction le sud. Je viens du sud et par tous les chemins. J'y reviens, j'ai dans la culotte quelque chose qui me titille. Des mycoses, des myrtilles qui viennent d'Italie. Ok, je vais aller par là. Qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien. Ok, très utile ce cul-de-sac. J'adore les cul-de-sac. Par ici, qu'est-ce qu'on a? Encore un cul-de-sac. Ok, c'est le royaume des cul-de-sac en fait, ici. Genre je m'appelle Bilbo Saké en fait. Je vais aller tout droit. Et par tous les chemins, j'y reviens. Ok. On va aller par là. Et on arrive à destination. Mais quel est ce monstre avec ses grosses boules? Bah, dis donc. Ok. Je vois qu'on a un petit coffre là-haut. Ah, je peux pas grimper, malheureusement. Je n'y peux pas grimper parce que j'ai pas le monstice adéquat. Donc j'y vais passer par là. Et j'y vais aller par là-bas. Hop. Je peux sauter à gauche. J'ai cette possibilité-là. Mais moi, je n'ai pas envie d'opter pour cette possibilité. Je vais aller par là. Là, on a une entre, d'accord. Allez. On est où, là? Je suis pas trop fan de ces grottes-là. Je trouve ça un peu vide. C'est rare, hein, parce que jusqu'à présent, j'ai adoré les, le level design du jeu et puis les maps, etc. Mais là, je sais pas, je trouve ça un peu vide. Ok.
Oula, on a un coffre au centre. Est-ce que je peux l'atteindre? Bah non, parce qu'il y a du feu. Haha. Et le feu, c'est pas possible. Bon, Noctis, réfléchis. Est-ce que tu vas vers l'ouest ou est-ce que tu vas vers le sud? Eh bien, je ne viens pas de l'ouest, je viens du sud. Donc, je vais aller vers le sud. Je sais pas si c'est la bonne... C'est quoi ce truc vert? C'était les éclairs d'un sinocre. Pour voir le sinocre. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Ok, les hiboux. Donc maintenant que nous avons fait ça, on va pouvoir continuer par là. C'est parti. On y va tout de suite. J'espère que j'ai pris la bonne direction. J'ai suivi mon instinct féminin, sachant que je n'ai pas d'œstrogène. Eh bien, la preuve, je me suis trompé. Ah non, 10 000 zénis, je dis pas non. Franchement, j'y dis pas non. Voilà, je dis pas non. Donc, très bien, on a eu 10 000 zénis, c'est cool. Hop, tout du coup, je dois aller vers l'ouest. Ah là là, je l'avais dit qu'il fallait pas aller vers le sud. Je l'avais dit. Hop. Oh, salut, grosse queue. Mais c'est quoi ce truc là? C'est quoi ce monstre? On dirait un croque-porte ou human centipede géant. Il est flippant. Laissez-moi passer. Et là, au secours, il me fait peur, on dirait un insecte. Ou un hippocampe. J'y passe. Ok, j'y suis passé. Au secours, c'est bon. Le monstre a été repéré plus loin. Tout ira bien du moment qu'on reste ensemble. Non. Ça ne veut strictement rien dire, ça, en fait. Parce que si on est ensemble et qu'on s'est exposé ensemble, voilà. Je peux pas la ramasser, ça, si. Croc de misère. Ça brûle. Quand tu chevauches, un monstre capable d'utiliser lave, appuie sur B pour traverser le magma en tes sécurités. Bah, j'ai pas ça, moi, si. Oh, je peux pas traverser le magma. Mais je peux peut-être passer par là. Ok. Oh my god. Ok, on est arrivé au point. Oula, les hiboux, j'ai peur. J'ai très très peur. Qu'est-ce qu'on va devoir affronter? This is supposedly where the monster was spotted, but no sign of the Nergigante, though. Merde. Il est où ce Nergigante? Hey, let me ask you something. La tête de mon bonnet, c'est hors Why de question. Why did you become a rider in the first place? Ah. The kinship stone? Ah, oh, that stone belonged to Red. I passed it on to his grandchild here. I thought we might be able to finish what he started. I see. It sure sounds like you have some big shoes to fill. I can appreciate that. But have you thought about what you need to do in order to fulfill his wishes? What my partner needs to do? You're a rider. You have both allies and monsties. Think about what all of you can accomplish together. Something tells me that is what your grandpa would have wanted. What we can do together, huh? Oh, Rata, j'ai envie de te faire des câlins, bébé. Anyway, let's get going. J'aime trop ce jeu en fait. Ce que je trouve juste adorable, c'est la relation qu'ont les personnages entre eux. Ça pue, 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 c'est quoi? Sur le plafond. Wow. What in the... Reculez. Get away from that. Now.
Allez, vivant. Et merde. It exploded. You guys saw that too, right? Putain. C'est quoi ce truc? Un Brachios. Ok. Je me disais bien que c'était trop tranquille pour être vrai. T'inquiète pas, tout va bien se passer, Rata. Oh, c'est beau, capture. C'est trop beau. Ce jeu. Oh, c'est beau. Everyone. Let's do this. Wow, trop classe. C'est parti par le pouvoir de l'amitié, bitch. On va essayer de tout défoncer. Ok, on va devoir quitter ce Brachios, je crois que ça s'appelle comme ça. Vache. Je commence à comprendre ce que nous devons faire. On doit battre le Brachios si on veut rester en un seul morceau. Ok, donc à mon avis, t'as très rapidité très fort. Donc je vais utiliser de la vitesse. Sur les queues, sur le corps, sur la tête. Sur la tête, hein. Oh, la chair est en train de t'épuiser, camarade. Merde. J'ai oublié cette histoire de chaleur. Bombe d'épines. Ok, objet. Brume fraîche, parce que je suis trop fraîche. Allez, c'est parti. Rafraîchissement. L'âme, c'est le dragon, génial. Wow. Explosion de flamme. Joli, joli. Mais ça n'a pas l'air le but. Ok, 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 on se calme tout de suite là, wesh. Attention. Tac. Oui, c'est bien de l'avoir empoisonné, c'est cool. Allez, on lâche rien. Oh, merde. Oh, merde, 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 qu'est-ce qui se passe? Cette substance gluante indique qu'il est prêt à nous faire exploser. La dernière explosion a fait beaucoup de dégâts. Est-ce que tu as des objets pour te soigner? Oui. Qu'est-ce que je dois utiliser comme objet? Herbe, potion, suie de vie, avec une pierre, méga potion, poudre de vie, potion secrète, gorgée suie à guérir la pierre des blessures. D'accord. Steak de gourmet, steak à pile d'entrain. Je dois utiliser quoi pour. Ah, guérir un allié de flot explosion, super. Ah bah attends, j'ai bien fait d'acheter ça, herbe savon. Ok. Ah cool. Par contre, j'en ai pas acheté beaucoup, je crois, des herbes savon. Putain, mais j'ai du cul d'acheter cette herbe savon. Oh. Allez, allez, on continue. Là, il est énervé. Ça pue le cul, là. Ok, objet, poudre de vie. Allez, mange-toi ça. Ok, il est énervé. Il est en technique quand il est énervé. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut que j'utilise la force. Entendu. Je vais utiliser la force tout de suite. Contre lui. Let's go. Tranchage brûlant. On peut le faire, les deux. Bien joué, bien joué, bien joué, Eren. Bien joué à toi, Erati. Allez. Tiens. Allez, talent d'amitié. Super. On continue, on continue. Les petits bouts. On peut le faire, on peut le faire. Toujours sur la tête, on y va. Ah, il a fait la taille vitesse après. D'accord, donc il est plus en technique. Tiens, mange tout ça. Et meurt.
Allez, on continue avec la force. Merde. Pourquoi j'ai mis force alors que je savais qu'ils faisaient vitesse? Je suis trop con. Ah là là, quel idiot. J'ai perdu bêtement. J'ai dû juste avant qu'il allait faire vitesse. Oh là là. Explosion de flamme. J'ai perdu un cœur, je suis dégoûté. Allez, faut pas que je me laisse décourager. On peut le faire. Donc il est toujours en vitesse là, en fait. C'est trop chelou ça. Allez, allez, on va lui exploser la tête. Allez. Écrasement colossal. Oh, oh putain. Oh, il fait mal. Heureusement que j'ai poudre de vie. Hein. Mais non. Oh, le teubé qui utilise poudre de vie après. Putain. Ça, c'est mal fait par contre. Quand un personnage voit qu'on soigne, c'est le seul reproche que je fais à Monster Hunter Stories 2 dans le cadre des combats, c'est lorsque tu te soignes et que le personnage qui t'accompagne te soigne après alors que tu t'es déjà soigné. Je trouve ça ridicule. Ok, objet, il me faut un truc savon là. Herbe savon. Ouais, on a remporté le duel. Cool. Il est repassé par ça. Allez, 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 allez. Talent d'amitié, donc je vais faire vitesse sur lui, toujours sur la tête. Tranchage brûlant. Allez, mets-le à terre, s'il te plaît, mets-le à terre. Tu peux le faire. Allez, oh, presque, presque, fais chier. Que assassine. Ah, on était à ça de foutre à terre. Ok, quoi qu'il en soit, il faut que je me soigne. Objet, potion. Vas-y, foule à terre, foule à terre. Tu es. Yes, on va le foutre à terre. Oh my god. Oh oui, partie détruite. Ça, c'est très cool. Allez, on l'attaque, on l'attaque. Ça serait bien de pouvoir faire un talent d'amitié tout de suite. Et oui, on peut le faire, c'est trop bien. Génial, génial. Talent d'amitié. Sur son corps. Allez, 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 on peut le faire, on peut le faire. Ok. Oui, joli, 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 joli. Allez. Ok, il se relève. Duel de force. Ok, concentre-toi Noctis, il faut que tu continues sur la vitesse. Vas-y, corps, ok, corps, allez. Oui, double attaque. Yes. Je vous rappelle que la double attaque native a lieu lorsque votre monstie et vous-même vous optez pour la même mode d'attaque. En l'occurrence, la vitesse. Ok, là il est énervé, donc faut qu'il faisait technique quand il était énervé, donc je dois faire force. Tranchage brûlant, super. Allez, let's go. Allez, allez. Je vais changer d'arme, tiens. Et je fais une attaque force sur son corps. Oh, ça fait pas beaucoup de dégâts. Charge poisseuse. Oh non, non, non. Attention, la matière viande sur ses points est explosive. Oh, fuck. Donc, ça veut dire qu'il est passé à un autre mode. Ok, en selle. Faut que je détruise quoi, du coup, talent d'amitié. Ah bah, c'est points. C'est ça qu'on doit détruire. Ok, il fait de la vitesse. Donc, il faut que je fasse de la technique. Allez, détruis-moi ses points, s'il te plaît. Oh, what? Ah ouais, on lui a détruit d'un coup ses points stylés. Ok, je vais rester en technique. Je vais peut-être faire appel à un monstis technique d'ailleurs. Allez, Pookie Pookie, j'ai besoin de toi. Et on va faire donc une attaque technique contre son corps.
Merde, il est en force. Ah, fuck. Super vitesse. Ok, talent d'amitié, ça c'est cool. Je sais plus quoi faire. Bon, technique, c'est pas grave. Allez, technique sur son corps. Tranchage brûlant, cool. Merci, Ren. Allez, explosez-le avec Ratty. Ok, donc là il est fort, c'est qu'il faut que je refasse appel à un monstre 6 vitesse. Alors, Nyx, j'ai besoin de toi. Et donc, on va faire une attaque vitesse dans ce cas-là. Double attaque, nickel. Oh, ça fait mal. Allez, on continue. Allez, encore vitesse, double attaque. Oui. Ah yes, yes, allez, on continue. Allez, on peut le faire les hiboux. Ok, donc là il est rentré en rage, donc ça veut dire que je dois faire une attaque force. C'était bien ça de mémoire. Ok. Je rechange mon arme, elle fait pas beaucoup de dégâts celle-ci. Prends ton empoisonné. Allez. Inhibition technique. Oh non. Ah, salaud. Saloperie. Ok, c'est pas grave, je me mets en selle. Ah vas-y Nyx, je compte sur toi, talent d'amitié. On va détruire son corps. Il nous restera plus que sa queue. La meilleure des parties. Hop. Allez, on peut le faire. Ok, réfléchis Noctis. Attends, réfléchis. Merde, je sais plus quelle attaque je dois faire. Oh, je sais plus. Il est en rage, donc je dois faire force. Mais par contre, je dois changer d'arme. Je veux reprendre mes doubles Diablos. Et fais force. Sur la queue, allez. Merde, c'est pas force qu'il fallait faire. Tu crois que c'est force, Majin? Parce que là, il fait l'attaque vitesse. C'était plutôt technique. Oh, saloperie. Il m'a fait très mal, là. Et... Allez, on peut le faire. On peut dégommer sa queue. Oh, j'ai esquivé, Dieu merci. Ok, en selle. Il me semblait, mais apparemment non, j'ai perdu le compte aussi apparemment, je te jure Majin, moi aussi j'ai perdu le compte. Ça demande une telle concentration ce jeu que je saigne du nez. Ok, donc là, mais pourtant il est en rage, donc quand il est en rage je dois faire de la force, je ne comprends pas pourquoi. Mais apparemment il a fait une attaque vitesse, donc je dois faire technique alors. Ok. Bombe d'épine, merci Nyx. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus quoi faire. Il est empoisonné, je sais plus quoi faire. Là je suis perdu. Oh putain, force, merde. Il va me tuer. Oh my god, bombe d'épine. Je comprends plus rien à sa logique. Ok, dans tous les cas, il faut absolument que je mette une herbe savon sur moi au plus vite. Objet. Putain, l'herbe savon, il m'en reste plus beaucoup. Hein. Il m'en reste plus qu'une. Hein. Attends, je vais regarder. Il m'en reste combien? Ah oh, putain, il m'en reste plus qu'une. Ah oh, non, j'ai les boules. Il fallait que j'en achète plus. Pourquoi j'en ai pas acheté plus? Bon, heureusement que j'en ai acheté déjà. Franchement, là, ça a été du cul. Merci pour la méga potion. Mais moi aussi, je suis complètement perdu dans ces attaques. On a réussi. Oh mon dieu, ma Jean. On a réussi à vaincre ce Brazia, je sais plus comment, de malheur là. Oh my god. On a réussi, Majin. On a réussi, les bouts, je suis trop content. Et on est passé niveau 29. Trop bien. Merci, Majin. Oh my god. Oh, c'était chaud. C'était vraiment très chaud. Sincèrement, c'était vraiment très très chaud. Merci pour votre soutien, les petits bouts. Ça me fait chaud au cœur. Merci pour tout. Nice one, partner. I think I'm starting to understand. Understand. What? I have my own part to play in achieving what Red couldn't.
I'm here to support his grandchild and protect Ratha. And it's my job to point my partner and Ratha in the right direction. We've got a world to save after all. I won't blame myself for things I can't change anymore. Well, that's good to hear. All right. Now that we've got our priorities straight, it's time to find the Nergigante. Oui. Ready, buddy? Enfin, on va pouvoir trouver le Nergigante. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit retourner voir Yumlana. Et bah, c'est parti, les hiboux. J'adore le nom de cette femme, Yumlana. Je trouve ça trop stylé. Ok, allons-y. Village noyé, direction Yumlana. Et voir ce que celle-ci va nous dire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Où doit-on aller? Dans quelle étagère? L'effet de la prière s'est estompé. Fuck. Déjà, je vais sauvegarder. Je crois que ma maison, elle est au sud. Absolument pas, ça c'est le forgeron. Ouais, c'est le forgeron. Donc elle est au nord. On va aller sauvegarder. Parce que franchement, là c'est un exploit ce soir, on n'est pas mort une seule fois quoi. Ça me change. Ok, maison, on va sauvegarder tout de suite. Et je tiens à remercier JajaCastor33 pour son hébergement. Je ne sais pas si je l'ai fait précédemment, mais merci à toi ma Jaja d'amour de m'héberger sur ta chaîne. Ça me touche énormément. Merci à vous tous ces petits bouts d'être là. On va sauvegarder et ça va être l'heure de faire une petite pause. Hein ? On va faire une petite pause. Voilà comme on adore faire sur cette chaîne, histoire de pouvoir parler et échanger ensemble. Donc c'est bon, on a sauvegardé et c'est l'heure de la pause. A tout de suite. Je reprends ma respiration. Bienvenue à toutes et à tous sur Noctingame, je suis Noctis et je suis trop content de vous retrouver ce soir, merci, merci d'être là, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté, vous savez, je le répète souvent, mais n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si ça ne va pas, je suis là pour vous, donc n'hésitez pas une seule seconde, et quand je le dis, c'est que je le pense, donc n'hésitez pas, et voilà, certains sont au courant. Voilà, on peut échanger par message et ça fait beaucoup de bien et je vous remercierai jamais assez de m'accorder de votre temps. Merci à tous d'être là ce soir, nous sommes lundi soir et comme tous les lundis soirs, on se retrouve en live ensemble. Vous m'avez manqué, comme je le dis depuis le début de ce live, j'ai signé un nouveau contrat, un CD de 5 mois qui se passe dans l'univers du jeu vidéo dans l'événementiel. Je ne peux pas en dire plus pour clause de confidentialité, mais... Dans tous les cas, c'est un bonheur pour moi d'avoir ce nouveau job, mais j'arrive pas trop à rééquilibrer, vous savez, mon quotidien. Vous savez que je stream les lundis, mardis et mercredis, et depuis que j'ai ce nouveau job, je ne stream plus que le lundi. Donc ça m'embête un peu, et j'aimerais pouvoir streamer bien plus. Voilà, parce que vous me manquez énormément, et attendre une semaine pour vous retrouver à chaque fois, c'est beaucoup trop long pour moi. Mais en tout cas, j'espère que ça va, que vous passez un bon moment à mes côtés. Merci d'être là. On continue l'aventure sur ce soir Monster Hunter Stories 2, jeu que j'ai commencé il y a maintenant plus d'un mois, lors de sa sortie, donc ça commence à dater, mine de rien. Et j'adore, il est vraiment excellent. On nous plonge vraiment dans un univers extrêmement attachant, avec des personnages qui le sont tout autant. Donc c'est vraiment un pur bonheur pour moi de pouvoir streamer sur ce jeu à vos côtés. J'espère que vous appréciez d'ailleurs Monster Hunter Stories 2 avec moi. On l'a bientôt terminé, hein. On approche de la fin du jeu. Et pour rappel, mes petits bouts, une fois qu'on aura terminé Monster Hunter Stories 2, on va enchaîner sur un tout nouveau jeu qui s'appelle Life is Strange True Colors. Et lorsque j'aurai terminé Mythopia, parce qu'il faut que je termine Mythopia aussi avec vous, on commencera Resident Evil 7. J'ai trop hâte de découvrir Resident Evil 7. Vous savez à quel point je suis fan de la saga Resident Evil. Et je n'ai jamais fait le 7 et le 8, hein, donc voilà quoi, hein, ça commence à faire mine de rien, hein. On fait quoi après, Majin, ça va être du Life is Strange True Colors qui est sorti avant-hier, si je ne dis pas de bêtises, je suis en admiration devant Dotnode et les Life is Strange, j'ai fait tous les Life is Strange, le Life is Strange 1 avec l'aventure de Maxine et de Chloé, j'ai adoré. Le jeu, franchement, ça a été une grosse claque pour moi. Vraiment un jeu basé sur l'émotion, avec un scénario aux petits oignons, avec une mécanique vraiment très cool et bien exploitée.
Du moins, ce n'est que mon point de vue. Et j'ai vraiment trouvé, tu sais, Majin, la direction artistique sublime dans Life is Strange. Il faut vraiment s'y habituer, mais c'est vraiment trop cool. Et puis, ça parle vraiment, moi, de thématiques qui sont chères à mon corps, j'allais dire. qui sont chères à mon cœur. L'exclusion, la solitude, l'amour. Toutes ces thématiques-là qui font du bien et qui font du mal. Et c'est vrai que c'est tellement important d'avoir des jeux comme ça qui parlent directement à notre cœur et qui arrivent à nous guider dans des moments difficiles de notre vie. Je pense qu'on a tous traversé des moments difficiles et on en traversera encore. Moi-même, j'en traverse. Et c'est vrai que du coup, le jeu vidéo, ça nous permet vraiment de pouvoir, nous guider. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on ne se sent pas bien, des fois, il suffit de regarder un bon film, une bonne série ou de jouer à un bon jeu vidéo. Et ça nous apaise quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Ça n'enlève peut-être pas la douleur, mais du moins, ça apaise. Et c'est important de prendre soin de soi et d'apaiser quand ça ne va pas. En tout cas, moi, c'est ce que je m'efforce de faire au quotidien quand je sens que je ne vais pas bien. J'essaye d'essayer de voyager un petit peu, d'avancer. Et toi, Majin, t'as fait que le 1, tu l'as trouvé magnifique, mais j'ai jamais trouvé le temps de faire le 2. Et bah écoute, Majin, encore une fois, et oui, on est connectés, nos esprits se rencontrent à chaque fois, toi et moi. Et bah écoute, le 1, gros bouleversement. Un jeu incroyable. J'ai fait le 2 en stream. J'ai découvert d'ailleurs des petits bouts, des nouvelles personnes qui ont rejoint la communauté, notamment ma Heart of Brunette, que j'embrasse très très fort, qui m'a rejoint lorsque j'ai streamé sur Life is Strange 2. Franchement, gros bouleversement de Jin, Life is Strange 2. Il est tout aussi puissant que le 1, avec une histoire totalement différente. Sans te spoil, tu incarnes deux frères, Sean et Daniel, à qui il va arriver un drame. Et ils vont devoir voyager tous les deux en tant que fugitifs. Et c'est juste incroyable. Vraiment, si tu as l'occasion de faire Life is Strange 2, fais-le. Je te parlais tout à l'heure de tout ce qui était exclusion. Là, tu es vraiment en tant que marginal dans Life is Strange 2. Life is Strange 2 parle d'autres sujets qui sont très forts, comme le racisme, la xénophobie. Et c'est vrai que c'est des thématiques qui sont abordées que très rarement dans le jeu vidéo. Et Life is Strange arrive à aborder des thématiques... des sujets de société, c'est un terme assez vulgaire, mais c'est ça. Et je sais qu'ils ont fait par exemple les studios Tell Me Why, qui parlent notamment d'un homme qui est né femme et qui, avec sa sœur jumelle, va devoir explorer son enfance et l'histoire de sa mère qui pensait horrible. Est très touchant, Tell Me Why, disponible sur le Xbox Game Pass. Et c'est vrai que Dotnode arrive vraiment à aborder des sujets qui sont qui peuvent paraître très chiants, mais qui sont en fait très puissants et très forts. Donc c'est ça que j'aime beaucoup avec les Life is Strange, Tell Me Why, et j'ai hâte du coup de découvrir Life is Strange True Colors avec vous en live. On le fera tout bientôt, faut juste que j'économise pour m'acheter le jeu. Et en gros, on va incarner, si j'ai bien compris, une jeune femme qui s'appelle Alex, et qui a un pouvoir. Elle est capable de ressentir et manipuler les émotions. Donc elle est empathe. Et sachant que Life is Strange, dès le premier, également le DLC Before the Storm, sont basés sur l'émotion, là on va être vraiment dans une mécanique de jeu propre à ce qui fait la quintessence de Life is Strange. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester. En tout cas, Majin, je te conseille vivement de jouer aux deux, tu vas adorer. Majin, tu écris sur notre chat... J'appelle ça poser son cerveau et laisser tous les problèmes avec. Je fais ça avec les livres et les jeux vidéo. Pareil, Jean. Mais je pense que voilà quoi. On est tellement aujourd'hui, tu sais ce qu'on disait précédemment dans le live, confronté à des choses qui font mal. Que ce soit de la part des autres, que ce soit nous-mêmes. Parfois on se fait mal aussi. C'est important de poser son cerveau, comme tu le dis, tu vois, de se dire que même si on a besoin de solitude, on n'est pas seul. Et que c'est important de pouvoir avancer, d'être ensemble, main dans la main. Et de pouvoir se dire que, on peut surmonter toutes les blessures. Non, Molly, je n'ai pas terminé le stream. Sinon, je ne serai pas sur l'écran. T'en fais pas, je suis toujours là, ma Molly. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est important
voilà, de se dire que c'est juste essentiel de poser son cerveau, comme tu le dis très justement, Jean. Hein. Donc tu vois, Molly, c'est ce qu'on disait avec Jean, on parlait de ce besoin parfois qu'on peut avoir, on est dans notre pause blabla, voilà, j'adore faire des petites pauses pour pouvoir parler avec vous, on a besoin parfois de poser son cerveau, de pouvoir aller de l'avant, et ça c'est important, et je pense que parfois on peut pas se guérir tout seul non plus, tu vois. Moi je l'ai constaté, parfois on pense qu'on peut guérir tout seul, prendre sur soi, et bah parfois on est juste humain, et c'est important de le savoir, c'est important d'accepter de ne pas aller bien, d'en parler, et de se dire qu'on peut, on peut avancer. Donc ça c'est vraiment très très important tout ça. C'est même essentiel que d'assumer le fait de ne pas aller bien. Moi quand je vais pas bien, je le dis. Quand je vais bien, je le dis aussi. C'est très important tout ça. Waouh, on parle beaucoup et on part très loin. Là, je suis dans le milieu du bien-être. D'ailleurs, on fera des radios libres axées sur le bien-être. Hein. Je vous en parle depuis très longtemps, mais on va le faire. J'ai un ami qui travaille dans ce milieu-là et je vais l'inviter. Il pourra parler avec nous de mieux-être, de bien-être. Et on va pouvoir travailler sur la confiance et l'estime de soi. Deux sujets qui me sont très importants et qui, je pense, sont essentiels aujourd'hui parce qu'on en manque cruellement. On en manque cruellement. Ce que je vous propose, mes petits bouts, c'est qu'on puisse retourner sur le jeu Monster Hunter Stories 2 pour rendre notre quête à notre amie Youplaboum, je ne sais plus comment elle s'appelle, la doyenne du village. C'est parti, à tout de suite. Transition. Je parle en ASMR, sa mère, pour ma Nimeline. Bienvenue à toutes et à tous sur Noxing Game. Nous sommes ce soir sur Monster Hunter Stories 2 et nous allons poursuivre notre aventure. Alors, on va rendre notre quête auprès de Yumlana et pas Youplaboum. Youplaboum, c'est l'île qui est donnée par ma loulou sur Animal Crossing. Donc, on va aller par là. Et je vais monter les escaliers afin d'aller rendre notre quête à Yumlana. Yumlana, sur ma vie, elle s'appelle Yumlana. Yumlana s'appelle Yumlana. Donc c'est parti. Mais je te jure, Jean, j'ai pas envie de retenir son nom. On est de retour. Le Nergigante n'était pas au lac des flammes non plus. Vous avez de nouvelles infos? Oui, je viens d'en recevoir. Un monstre a été aperçu dans les abysses de cristal. C'est une grotte recouverte de cristaux dans les montagnes du nord. Peu nombreux sont ceux qui ont aussi aventuré. Les abysses de cristal au nord, c'est noté. Allons-y tout de suite par terre. Ok, bon, on va se calmer tout de suite. Hein. Et quête principale, chaos et destruction. Est-ce que vous vous rendez compte? Et j'ai l'impression que ça va être la dernière quête du jeu. Ça me fait peur. On va terminer le jeu ce soir, ça veut dire. Putain. Coucou Nono, comment vas-tu? Mon Wolfie, comment ça va mon Wolfie d'amour? Je suis trop content de te voir. Ça fait super longtemps mon Wolfie, comment ça va? J'espère que t'as passé un bon week-end. Et je vais lire le message de ma Jean sur le chat. J'ai appris à mes dépens que demander de l'aide n'est pas un défaut, au contraire. Donc maintenant je ne veux plus à dire quand ça ne va pas, ni même à dire que je vois un psy régulièrement et que ça aide. Eh bien ma Jean, crois-moi, c'est extrêmement courageux que d'aller solliciter l'aide d'un pro. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut croire à tort qu'on peut s'en sortir tout seul. Eh bien non, on a besoin d'avoir des outils qu'on n'a pas forcément en notre possession. Ces mêmes outils qui permettent d'aller mieux, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie. Et c'est vrai que du coup, c'est super que tu puisses justement recourir à un professionnel, à un psy, que tu puisses faire des thérapies, que tu puisses en parler quand ça ne va pas. C'est très important. Je sais que souvent, je me rappelle à une époque où j'allais vraiment pas bien, on me disait souvent « mais t'inquiète, ça va aller mieux », genre en mode « ferme ta gueule », tu vois, « ça ira mieux demain ». Vous savez, cette phrase qu'on vous dit souvent, « oh, j'espère que ça va aller mieux », et au fait, t'as cours à quelle heure demain? Tu sais, genre les gens qui s'en battent les couilles. Et c'est vrai qu'on est entouré de beaucoup de personnes, on va pas se mentir, qui te demandent si tu vas bien, mais qu'au final, peu importe la réponse, si tu leur dis non ou oui, ils vont parler de leur gueule. Et c'est très important, du coup, d'assumer quand ça ne va pas, de le dire, et d'en parler aux bonnes personnes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent, très concrètement, quand tu leur dis ce que tu ressens, et d'autres pour qui bah, tu comptes. Et du coup, quand tu dis que ça va pas, bah, tu peux tomber sur quelqu'un qui va t'aider, si ce n'est à aller mieux, qui va t'aider à te changer les idées, par exemple. Ou qui va être une oreille qui va t'entendre et t'écouter.
Et ça, c'est important, du coup, de pouvoir dire les choses aux bonnes personnes. Très important. Et c'est vrai que très souvent, on te dit que ça va aller, mais non, en fait. Si ça va pas, ça va pas. Il faut assumer le fait de ne pas être bien. Ça, c'est la première étape. Assumer le fait de ne pas être bien, ça te permet d'aller mieux. Tu ne peux qu'aller mieux ensuite. En tout cas, mon Wolfie, merci à toi d'être là ce soir. J'espère que tu vas bien. Je suis trop content de te retrouver en stream ce soir, mon Wolfie. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Il me semble que tu travailles en ce moment, non? Ou tu as pris les cours, je sais pas du tout. Vu qu'on est au mois de septembre, je sais plus si tu es en alternance ou si tu es toujours en cours. Je t'avoue que je sais pas. En tout cas, bienvenue, mon Wolfie. Ce soir, nous sommes sur Monster Hunter Stories 2. Et je suis, je crois, à la fin du jeu. Chaos et destruction. Pendant tout ce temps, vous ne faisiez que courir après l'ombre de Red. Les mots de Red entraînent une révélation. Quel est votre rôle de rider maintenant? Si vous trouvez la réponse à cette question, alors peut-être que vous pourrez vous élever à la hauteur de Red. Eh bien, vous savez quoi, mes petits bouts? Je ne vais pas terminer le jeu ce soir. Je suis cruel. Je vais terminer le jeu lors de notre prochain stream. Alors, je vais regarder mon petit calendrier. Vendredi. À quelle heure je termine le travail vendredi? Je vais vous dire ça tout de suite. Et selon l'heure, on va se faire, eh bien, la fin de Monster Hunter Stories 2. Ah, tu le savais, Majin, tu le savais, hein, tu commences à me connaître. Hein. Je termine à 17h30 le travail vendredi. Donc c'est trop cool. Donc, ce que je vous propose, mes petits bouts, c'est qu'on se retrouve en stream vendredi soir prochain. On va streamer ensemble. Et on va faire la fin de Monster Hunter Stories 2. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous tente qu'on se retrouve vendredi prochain pour la fin de Monster Hunter Stories 2? J'ai trop hâte. Maintenant, ce que je vous propose, avant d'aller faire dodo, parce que demain je me réveille très tôt, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un peu du Pokémon Unite. Je vais donc couper ce stream, juste parce que je suis un putain de gros maniaque et que j'ai envie d'avoir un stream pour un jeu. Je vais couper ce stream quelques secondes, le temps de faire les préparatifs pour lancer le stream sur Pokémon Unite. Ce que je vais faire sur Pokémon Unite, c'est que je ne vais pas jouer vraiment longtemps, pas plus d'une demi-heure, 40 minutes grand max. C'est juste histoire de faire mes quotidiennes. Est-ce que ça vous tente, du coup, de me rejoindre sur Pokémon Unite pour que je puisse faire mes quotidiennes? Oui, Madine, hein, tu commences à me connaître, hein, ça y est. Hein. Tu savais que j'allais faire ce coup-là. Bah écoute, je me dis que ça peut être pas mal, du coup, de se retrouver vendredi pour la fin Chaos et Destruction. D'ailleurs, je vais en profiter pour aller sauvegarder. Je retourne dans ma chambre qui se situe au nord. D'ailleurs, dans 10 jours, enfin dans 9 jours, sur Pokémon Unite, deux Pokémon seront disponibles, Nymphalie et Mamochon. J'ai trop hâte de pouvoir les tester. On va aller par là. Hop. Tac. Je sauvegarde en dormant. Je remplace. Nickel! Et bien voilà mes petits bouts. Écoutez, je vous dis à tout de suite. Je vais changer la catégorie en fait du stream pour passer sur Pokémon Unite. Je vous dis à tout de suite. Je reviens dans 2-3 minutes. Le live n'est pas terminé. À tout de suite. D'ailleurs, je sais pas si ma charesse, ma modo est toujours là derrière son écran. Ma chachou, je sais pas si tu es là. Mais si jamais tu m'entends, n'hésite pas à prévenir les petits bouts comme quoi je n'ai pas coupé le live et que je suis toujours là. D'ailleurs, je vais mettre un message écrit aussi. Le live n'est pas terminé. Je reviens dans 2 minutes. Voilà ce que je vais écrire. Et pourquoi tu m'as ouvert ça, toi? Dégage. Voilà. Le live n'est pas terminé. Je reviens dans 2 minutes. Voilà mes petits bouts. Je reviens d'ailleurs terminé et parce que c'est un live. Apprends à écrire français avec Nottingame. Je reviens tout de suite mes petits bouts. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour cette soirée sur Monster Hunter Stories 2. On se retrouve dans 3 minutes sur Pokémon Unite. A tout de suite les bouts. Ciao ciao.